Bonjour à tous, bienvenue sur Fais Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Depuis un an, j'ai reçu des aquarellistes, des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des Do It Yourself. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, on retrouve Mathilde qui a plusieurs activités. Elle est la créatrice de la marque Arborescence, sous laquelle elle vend de la papeterie et des objets pour l'événementiel. Et elle est également web designer, donc salariée et freelance, elle va nous raconter tout ça, sous le nom Be Designed. Dans la continuité des épisodes que j'ai fait avec des expertes, j'ai invité Mathilde pour parler e-commerce. Avoir un site web, c'est une étape indispensable aujourd'hui pour valoriser son travail, qu'on souhaite en faire une activité professionnelle ou pas. Et quand on s'intéresse à la possibilité de vendre en ligne ses créations, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Choisir la bonne plateforme e-commerce, comprendre à quoi sert un hébergement, un nom de domaine, un plugin, savoir comment se faire accompagner. C'est pas nécessairement simple, même si Internet regorge d'infos en tout genre. On n'a évidemment pas pu traiter tous les sujets liés à l'e-commerce, mais c'est, je crois, un bon point de départ pour s'y retrouver. On a évidemment parlé du parcours entrepreneurial de Mathilde, qui est riche et qui se nourrit de ses différentes activités. Et si vous songez à vous reconvertir, vous allez être servi avec cet épisode. Une petite chose avant de vous laisser profiter de cet échange, si mon travail avec tous ces épisodes a de la valeur pour vous, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E, en laissant quelques euros, comme vous le feriez à la fin d'un concert. Pour en savoir plus, je vous laisse le soin d'aller regarder sur mon site podcastfaismain.fr. Bonne écoute! Bonjour Mathilde, bienvenue sur Podcast Faismain. Et bonjour Mélanie. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation et aujourd'hui on va parler e-commerce. Mais c'est moi qui te remercie, je suis vraiment ravie que tu m'aies invitée à discuter avec toi. Voilà, et on va essayer de conseiller les créatrices, je pense. Exactement. Alors Mathilde, tu as plein de casquettes. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors du coup, je m'appelle Mathilde Hubert. Donc je donne plutôt mon nom de jeune fille parce que c'est celui que j'utilise pour mes deux activités, même si je suis mariée. C'est plutôt celui que j'utilise. Et je suis actuellement web designer. C'est mon activité principale. Et à côté de ça, je suis créatrice de papeterie et d'objets pour l'événementiel. Parfait. Voilà. J'habite, et alors j'habite, pardon, oui, tu as peut-être envie de savoir où j'habite. Bah non, je sais déjà, mais... non, on est voisines. Vas-y, dis-nous. Du coup, je suis à Charly, c'est une petite ville qui est à quelques kilomètres de Lyon, donc en agglomération lyonnaise. Et je travaille sur Lyon. Parfait. Et à l'intérieur de ta casquette principale qui est web designer, il y a deux activités distinctes, oui, ton activité en agence. Ouais, c'est ça. Je travaille d'un côté 3 jours par semaine pour une petite agence lyonnaise qui fait surtout du développement. Donc, j'ai plutôt, on va dire, la fonctionnalité d'intégratrice. Alors, c'est plus axé code. L'intégration, c'est plus code qu'autre chose. Hein. C'est pas vraiment du langage web non plus, c'est pas développeur. Mais mon but, c'est un petit peu plus de contrôler l'aspect technique plutôt que le graphisme d'un site internet. Moi, je fais en sorte que ça fonctionne et que ça marche et que les graphistes qui me donnent leur travail aient le maximum de je sais pas comment expliquer ça, de représentation, en fait. Est-ce que tu vois ce que c'est l'intégration? Toi, tu connais, mais... Moi, je connais. Alors, si je le dis avec mes mots, puis tu vas me dire si c'est ça. Moi, je dirais que le graphiste fait le design du site, la maquette du site. Ouais. Et ensuite, l'intégrateur graphique, il va transposer finalement cette maquette en site web et évidemment avec des fonctionnalités qui, elles, sont développées par les développeurs web. Ça, voilà. C'est un métier entre le développeur et le graphiste où je transpose, je traduis ce qu'a fait le graphiste en code, mais code léger. Hein. Je ne suis pas développeur. Hein. On n'appelle pas vraiment ça du code, mais pour expliquer peut-être... À tes auditrices et auditeurs, parce qu'il y a peut-être des hommes aussi, ce que c'est que l'intégration, c'est pas à proprement dit du développement, mais c'est de la mise en forme, en fait. Voilà, c'est le langage CSS. CSS, HTML, c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, on espère qu'on vous a pas perdu encore, hein, parce que vous inquiétez pas, c'était la partie la plus compliquée. Voilà.
Et à côté de ça, donc j'ai mon activité indépendante, donc de B-Design, où là je fais vraiment ce pourquoi j'ai passé un diplôme il y a quelques années. Je suis donc ce qu'on appelait avant infographiste multimédia, c'est devenu designer web en 2017. Le diplôme a changé de nom. Mais c'est D'accord. ni plus ni moins que de l'infographisme. Donc voilà, je travaille avec tous les logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. Et je fais aussi du site internet et du e-commerce. Parfait. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, Mathilde? Alors que je fais ça, c'est-à-dire que je Que travaille pour B-Design ou que je fais du web? la totale. La totale. Alors j'ai commencé, on va dire, en 2009. Parce que auparavant, toi tu dois le savoir, mais les auditrices ne savent pas, peut-être toutes, avant j'étais fleuriste. J'ai été fleuriste durant 17 ans. Eh ben Et. non, je ne savais pas. Tu savais pas? Ben Voilà, mon premier métier, c'est la sérigraphie. J'ai fait un an et puis ça ne me plaisait pas totalement. Il n'y avait pas assez de créativité, donc j'ai arrêté. J'ai opté pour le métier de fleuriste à 18 ans. Et voilà, j'ai travaillé dans la fleur pendant plusieurs années. Et notamment, j'ai lancé des cours d'art floral à Lyon, qui n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est très en vogue, mais à l'époque, ça n'existait pas. J'ai fait des cours d'art floral à Lyon dans plusieurs boutiques. Et donc j'ai lancé mon site internet pour que les gens puissent réserver en ligne. Donc à l'époque j'avais mon bon vieux Mac et j'ai utilisé je ne sais plus quel logiciel qui faisait partie du Mac pour faire un site en ligne. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans plus ou moins. Et voilà, en fait Arborescence existe réellement depuis 2009 en fait. Ah Ouais, c'est très ouais? très vieux. D'accord. Sous plusieurs formes. Du coup ça a migré voilà des cours d'art floral. Jusqu'après, j'ai vendu, on en parlera plus tard, mais sur Etsy, tous mes accessoires. Et puis bah, maintenant, c'est devenu de la papeterie. Mais Arborescence, c'était à la base des cours d'art floral et c'est né en 2009. Donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que ça existe. J'ai toujours aimé ça, en fait, de faire du web, etc. Et puis, mon métier de fleuriste ne me plaisait plus parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Je travaillais beaucoup les week-ends. Enfin, les fleuristes qui sont des professionnels qui travaillent en boutique, pas les designers floraux hein, qui font que du mariage, etc. Mais les gens qui ont une boutique savent que c'est assez compliqué, que c'est un peu comme la restauration. On travaille beaucoup, on travaille tard, on travaille les week-ends, on travaille les jours fériés toute l'année. Et puis c'est un métier qui est très physique aussi. Et je me suis pas assez écoutée en étant plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai une discopathie. Donc c'est juste avant la hernie discale. Donc je ne peux plus travailler debout toute la journée. C'est très compliqué pour moi. D'accord. Donc voilà, je me suis reconvertie parce que j'aimais le web. Voilà, c'était une évidence en fait pour moi. J'adorais ça, vraiment, l'infographisme, faire des affiches, faire de la communication, ça m'a toujours plu. C'était complémentaire à mon activité. Et je me suis donc reconvertie à 35 ans. Ça a été super compliqué, mais j'ai réussi à me reconvertir dans la branche que j'aimais. Eh ben c'est génial. Et Voilà. t'as quel âge aujourd'hui, Mathilde? Je suis un tout petit peu plus vieille que toi. J'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans la veille du confinement. Non, le lendemain, pardon, on a été confinés le 17 et je suis née le 18 mars. Joyeux anniv. Voilà, super, super Ok, anniversaire. Donc, ok. on n'est pas vieille, on est vintage, et puis c'est tout. Je t'entends souvent le dire dans tes podcasts, donc ça me fait rire à chaque fois. Non, hyper jeune. T'as tout juste un an de moins, je crois, il me Ouais, semble. c'est ça, ouais, voilà, Voilà. pas beaucoup moins. Donc, je pense à toi à chaque fois. Ok, génial. Voilà. Oui, donc déjà effectivement une carrière pro avant Ouais. de ouais, d'accord. J'ai Et toujours donc bidouillé, en fait. J'ai toujours été très débrouillarde et j'aime pas attendre après les gens. Donc, je me suis toujours auto-formée sur tout ce que je voulais faire, à faire des tutos, etc. Mais du coup, ça fait 10 ans que je suis dedans, quoi, en fait. Et que je gère ben, mon site d'abord, ensuite ça a été celui de mon conjoint, ceux de mes copains, de mes amis, enfin tu sais comment c'est, hein, quand bah oui, quand ben, tu connais, ouais. t'as Quand du t'es mal à dedans. refuser, t'aimes Ouais. bien aider les gens aussi, donc Ouais. voilà. Ok. Et alors, par contre, tu disais que tu as fait une formation pour justement Ouais. asseoir les compétences que tu avais acquises un petit peu sur le tas. C'est ça. Donc, Ouais. grâce à, enfin, grâce,
Non. À la suite d'une visite médicale du travail annuelle, tu sais, dans les entreprises, bah, le médecin m'a demandé si je me sentais bien et pour une fois, je me suis écoutée, j'ai dit non. Et à la suite des radios, donc il m'a dit que j'avais une discopathie, j'ai été licenciée pour inaptitude. Et ensuite, c'est grâce à une conseillère Pôle emploi qui a été vraiment très à l'écoute. Faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement, mais elle a été vraiment très très agréable. Elle m'a beaucoup suivie et elle m'a beaucoup aidée. Et donc c'est Pôle emploi qui a financé ma reconversion dans une école de graphisme à Lyon. C'est une formation qui est assez chère. Je suis retournée à l'école un an. Et c'est vrai, quand on a 35 ans, faire des devoirs le soir, honnêtement, c'est hyper compliqué parce qu'on n'a pas les parents pour le laver le linge, pour faire à manger, tout ça. Donc, autant dire que j'ai bûché pendant un an. Je travaillais en plus à côté pour prolonger mes droits à Pôle emploi et tout ça parce que sinon, j'aurais pas pu aller jusqu'au bout. Donc, je travaillais comme hôtesse de caisse à Leclerc en plus le week-end. Alors, voilà, ça a fait une longue année assez Ouais. chargée, mais voilà, j'ai eu mon diplôme au bout et j'étais très contente de Tu pouvoir enfin, ouais, le justifier, quoi. Ouais, Avoir ouais. un papier qui dit c'est bon, ça y est. Oui, légitimer et pas avoir ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est ça. De dire Ouais. j'ai fait des tutos, j'ai fait des formations, j'ai essayé de trouver comment dire, des alternances et je trouvais jamais en fait parce que les alternances, ils veulent à tout prix quelqu'un, des jeunes qui soient diplômés, ça n'a pas d'intérêt du coup en plus. Donc faut être diplômé pour avoir un diplôme. Enfin, c'est pas très très logique, mais c'était Ouais. comme ça. Donc merci Bon. à elle parce que c'est vraiment un gros coup de pouce et c'est grâce à cette personne que j'ai pu vraiment évoluer et avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Ouais. C'est super. Ah ouais, c'est chouette. Mais moi, j'ai embauché, c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, une, j'allais dire une jeune, mais oui, elle avait pareil, le même âge que moi. On avait fait la même formation et tout ça, la même école. Pareil, reconversion pro, alors là, c'était plus dans le marketing digital, mais effectivement, il faut avoir un sacré courage Ouais, pour c'est se pas lancer si. en une reconversion à cet âge-là. Ouais. Chapeau. Il y a des gros Bravo. a priori, en fait. On croit que c'est la crise de la trentaine, de la quarantaine, de machin, de tiens, elle a envie de changer de vie. C'est vraiment très difficile. Et quand on sort d'un métier de l'artisanat comme moi, fleuriste, où on n'a pas besoin de faire des grandes études, les gens ont beaucoup de préjugés. En fait, c'est malheureux, mais en fait, on n'en juge pas forcément à la compétence. Ni à la motivation, mais plutôt au diplôme et à l'expérience. Et ça, c'est pas évident. Je trouve qu'il faudrait vraiment plus laisser la chance aux gens qui sont motivés pour y arriver, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, si vous leur donnez pas leur chance, c'est pas grave, hein, ils continueront et puis prendront un autre chemin comme moi pour y arriver jusqu'au bout, quoi. C'est Ouais. évident, ouais. Et puis moi j'ai tendance toujours à penser que en fait ce qui compte c'est le savoir-être. Parce que le savoir-faire, tout ça s'apprend. Mais Tu oui. vois, la preuve, faire un site e-commerce, etc. Il y a Ça. beaucoup de créatrices qui s'en sont débrouillées toutes Bien seules. sûr, ouais. Mais le savoir-être, comment se comporter avec les gens, être un bon collègue, être un bon collaborateur, enfin. Voilà, tout ce qui fait la force d'une personne en entreprise, et puis a fortiori dans la vie, dans la sphère privée, ben ça, c'est plus difficile à acquérir. Ouais, Et c'est donc, ça. ouais, moi, je mise plutôt sur la personne, plutôt Sur que le sur les feeling, compétences. Voilà, tout à ouais, fait. parce que les compétences, ça s'acquiert, en fait. Bah oui, ouais, quand on est motivé, on arrive à tout. Si la personne elle est open en face, ça se passera bien. Ouais, bon, bah, c'est super. Effectivement, je pense que le thème de la reconversion devrait parler à plein de personnes qui écoutent. Oui, ouais, je pense. Hein? Ouais, ça marche. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'arborescence. Donc, le nom entier, c'est arborescence création. Non, ça c'est le nom de domaine. Et du coup, Ah. Instagram. Eh oui. Parce que arborescence en langage informatique, c'est un cheminement. Enfin, c'est un arbre. Comment dire pour expliquer ça plus. Non, mais l'arbre, c'est bien. Oui, voilà, c'est un espèce d'arbre généalogique d'un site internet. C'est une arborescence. Donc forcément, le nom de domaine existe déjà depuis très longtemps et est très difficile à prendre sur internet. Donc j'ai rajouté création derrière. Mais à la base, il s'appelait Art Floral Lyon. Hein. À la base, quand je donnais des cours D'accord. d'art floral, ouais. J'ai changé de nom de domaine après quand ça a évolué. Mais non, non, c'est comment dire, ça porte à confusion parce que souvent on m'appelle comme ça. Mais le vrai nom, c'est arborescence tout court. Il n'y a rien derrière. Ça marche. Et donc ça, tu t'es mise à ton compte en 2009, c'est ça?
Pour arborescence, oui. Pour bead design, en 2017, à la suite de mon diplôme. D'accord. Et donc, tu étais déjà finalement entrepreneur à ton compte quand tu étais fleuriste. Mais j'imagine qu'avant, tu étais salariée. Alors, j'étais fleuriste salariée, oui. Et puis, j'avais mon auto-entreprise, comme aujourd'hui, en fait. D'accord. J'avais mon auto-entreprise à côté pour les cours d'art floral, oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour arrêter ton activité salariée ? Oui, ouais. Il y a eu la Covid en fait entre-temps. C'est-à-dire que l'année dernière, je pensais pouvoir arrêter au mois de juin cette année et pouvoir être indépendante. Alors, quand je dis arrêter, c'est-à-dire être complètement indépendante pour les deux, pour les deux activités. Ce que je ne veux pas, c'est laisser tomber ou l'un ou l'autre. J'ai pas fait une reconversion à 35 ans pour arrêter maintenant. Et je n'ai pas envie non plus de faire de la papeterie mon activité principale. Et inversement, en fait, je pourrais pas arrêter ni l'un ni l'autre. J'aime beaucoup trop mes deux métiers, entre guillemets. J'ai pas envie de choisir pour l'instant. Peut-être que dans 10 ans, je dirais autre chose, hein, remarque. Mais pour l'instant, non. Et le problème, c'est que cette année, je voulais louer un atelier et partir au mois de juin et devenir complètement indépendante. Malheureusement, avec la Covid, ça n'a pas été possible. L'activité côté arborescence, en plus, est en grosse chute. Hein. J'ai perdu beaucoup de chiffres là sur l'année, surtout depuis mars. Hein. Il y a eu un petit regain en juillet-août, mais là, de nouveau, avec les restrictions, les dernières... Les dernières annonces du gouvernement sur les regroupements, etc. Là, les mariages d'automne, c'est fini, quoi. Du coup, je suis partie sur les collections de Noël parce qu'il faut continuer d'avancer aussi. Donc, je prépare en douce tout ce qui est Noël. Et puis, j'ai mes pros de l'autre côté. Heureusement, ça, de ce côté-là, je me suis dit, de toute façon, comme arborescence est un petit peu plus calme, c'est l'occasion de booster l'autre côté aussi et de faire tout ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude parce que les mariés me prennent beaucoup de temps quand même. Et la communication, tu le sais, toi, ça prend beaucoup de temps aussi. Chercher des clients, des marchés, etc. C'est aussi du travail. Et c'est long, quoi. Et puis, il faut semer beaucoup pour ramasser. Donc, c'est compliqué. Alors, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je vois complètement. Ah oui, d'accord. Alors, ça ne tombe pas tout cru comme ça. Il faut beaucoup démarcher pour avoir un client. Exactement. Ouais. Ce qu'on a peu abordé finalement avec les créatrices que j'ai eues sur le podcast pour l'instant, parce qu'elles étaient plutôt dans une démarche un peu de ce qui s'appelle l'inbound marketing, où vraiment où tu mets en œuvre finalement tout un tas d'actions, de stratégies pour que les gens viennent à toi et que tu ne sois pas dans l'obligation, entre guillemets, de faire justement de la prospection. Oui. Alors, côté arborescence, est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce que tu vends ? Donc, c'est de la papeterie pour des beaux événements. Oui. Ça a démarré avec mon mariage. On s'est mariés avec Benjamin en 2018. Et forcément, comme j'étais fleuriste avant, j'ai toujours été un peu touche-à-tout. Beaucoup de loisirs créatifs divers. Et je trouvais pas ce que je voulais, tout simplement. Puis, j'aime pas chercher. Donc, je me suis dit, je vais les faire moi. Donc, j'ai fait pas mal de papeterie pour mon mariage. À Cultura, j'ai acheté du papier et je me suis trompée de couleur. Je l'ai acheté en irisé au lieu de l'acheter en mat et ça allait pas du tout. Et du coup, comme j'avais déjà ma boutique Etsy où je vendais tous les accessoires de quand j'étais fleuriste, des perles, etc., j'ai dit, c'est pas grave, le papier, je le revendrai sur ma boutique. Et puis, forcément, comme je ne sais pas m'arrêter et vendre des choses simples, j'ai tamponné des choses, j'ai fait des petites impressions, etc. Et en fait, ça a marché tout de suite. C'est-à-dire qu'en février, j'ai mis des articles sur Etsy et au mois de juin, j'avais déjà des commandes, j'étais débordée, j'avais 7 commandes par jour et c'est parti du tonnerre. Donc, au début, je faisais des petits badges. J'ai fait des étiquettes, j'ai fait des berlingots pour les dragées. Et puis, j'ai beaucoup évolué la première année à me chercher, en fait. Je savais pas trop quoi faire. Je voulais pas faire comme les autres et je veux jamais faire comme les autres. C'est pas une question d'ego. C'est surtout que chacun a sa place, je pense, et que c'est important aussi de regarder ce que font les autres pour pas avoir la même idée. C'est quand même dommage. Et pour proposer aussi d'autres choses. Donc, j'essaye du coup de marier
en fait, dans mon activité aujourd'hui. Mes trois anciens métiers, à savoir la sérigraphie, qui était mon premier métier, la fleuristerie et le graphisme aujourd'hui. Donc, du coup, ça donne plus ou moins des objets. Donc, ça peut être des mini bouquets, ça peut être des petits mouchoirs pour les larmes de joie, ça peut être des étiquettes, ça peut être des choses à offrir, des cadeaux à inviter surtout, mais qui mélangent les trois. Donc, l'impression, l'amour du papier et la fleur. Avec génial. Le graphisme, bien évidemment. Et voilà, et au fur et à mesure, là, c'est là, du coup, je finis la deuxième année. Et je trouve que ce que je fais maintenant me correspond beaucoup plus et que j'ai trouvé mon identité. Donc, je suis contente, ouais. Parce que c'est vrai, j'ai moins de mal à m'affirmer, en fait. Vraiment à faire ce que j'aime. Ouais. Là, tu l'expliques bien, effectivement, en disant que tu as trois piliers qui correspondent à ton background, en fait, à ce que tu as appris et ce que tu maîtrises. J'aime la fleur et je peux pas l'abandonner. Donc, c'est vrai que j'en mets un petit peu de partout. Ça peut saouler les gens, mais c'est vrai que toutes mes collections, c'est des fleurs, souvent, sauf pour les enfants, pour les petits. Mais voilà, ça reste quand même du papier parce que j'aime le papier. Et puis, j'aime pas, entre guillemets, faire les choses simples. Je fais toujours des trucs compliqués. Donc, des fois, ça prend des heures. Mon mari me dit, non, mais ton truc, ça va être encore invendable. Tu vas y passer un quart d'heure. Comme hier, là, j'ai fait des choses pour Noël. Il m'a dit, ah, c'est joli. Mais du coup, t'as payé combien de temps pour le faire? C'est le premier truc qu'il m'a dit, quoi. Voilà. Bon, et alors, du coup, ça me fait penser à la question du prix, parce que forcément, là, on parle de temps. Donc, fixer tes prix, est-ce que c'est comme tout le monde? Parce que je sais que tu es une fidèle du podcast, donc je sais que tu sais. C'est compliqué parce que je suis dans un domaine événementiel où il y a beaucoup de concurrence, notamment sur les sites asiatiques, entre guillemets, où voilà, les gens ont l'habitude d'acheter sur Wish ou sur AliExpress, des choses comme ça. Et bon, après, le prix, en fait, la deuxième année, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut absolument que tu te payes, ça suffit de faire des trucs pas assez chers. D'une part, parce que t'as pas de crédibilité. Je trouve que quand vraiment t'es pas cher, les gens peuvent se poser des questions sur la qualité de ce que tu fais. Et d'autre part, parce que ça devenait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand j'avais une cliente qui me disait « Ah, mon thème mariage, c'est pierrot, c'est bleu, c'est machin », pour pas perdre la cliente, je disais oui. Et au final, ça me ressemblait pas. J'ai fait beaucoup de choses la première année parce qu'on me les demandait et parce que j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de me faire connaître, mais qui me ressemblaient pas. Donc, c'est vrai que maintenant, je filtre plus, entre guillemets, de par le prix et de par les créas, parce que je veux vraiment, je préfère faire moins en quantité, mais faire des choses qui me plaisent et qui me ressemblent. Donc du coup, oui, j'ai aussi augmenté un petit peu mes prix sur certaines choses, parce que finalement, j'y passe beaucoup de temps. Et je trouvais important que les gens, ils y trouvent leur compte aussi. Enfin, je veux dire, on vient pas chez une créatrice du fait main, pas pour avoir du pas cher, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, maintenant, les gens, faut qu'ils s'y fassent, quoi. Il faut qu'ils voient une différence aussi, je pense. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est évident, t'as raison. Par rapport aux autres créatrices aussi, aux autres collègues, etc., trop tirer les prix vers le bas, déjà, c'est pas rentable pour nous, parce qu'on y passe des heures, c'est clair. Mais surtout, non, c'est pas rendre service aux gens, en fait, parce qu'après, ils deviennent capricieux et ils embêtent les autres collègues des autres boutiques, donc c'est dommage. Ouais, il faut qu'on nous éduque aussi. Ouais. Mais on nous a très mal habitués. Amazon offre les frais de port depuis tellement longtemps qu'on en est hallucine, en fait. Des fois, je me dis, ah, le colis, il est à 7 euros. Bah oui, mais c'est la poste, en fait. Hein, donc, Je fais un clin d'œil à Caro from Woodland qui a fait une vente là ces derniers jours. Alors, le temps qu'on diffuse l'épisode, ça sera déjà un peu ancien, mais. Effectivement, bah oui, les frais de port ils sont pas offerts. Et puis, pour la prévente du livre, moi je l'ai acheté en prévente. Il y a quelques, enfin je crois qu'elle a dit c'était 1 euro pour les frais logistiques. Bah oui, il faut qu'on l'accepte quoi en fait. Non, la réalité c'est ça quoi. Encore, c'est dingue. Moi j'en discutais avec d'autres créatrices, par exemple comme Naturel, je travaille pour son site internet, je m'occupe de la maintenance et puis j'ai fait la créa. Et c'est vrai que parfois elles se sentent obligées de se justifier, mais on est obligé. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais parfois en story, elle dit bon, alors les frais de port, ça inclut les frais de port, donc c'est-à-dire l'envoi par la poste, mais aussi les frais d'emballage. Ça, les gens, ils ont un petit peu mal à comprendre que les cartons, c'est pas gratuit.
Le papier de soie, c'est pas gratuit. Le temps de travail pour fermer les cartons, le scotch, les étiquettes, tout ce qu'on vous met là-dessus, c'est pas des frais cachés, en fait. Il faut que les gens s'habituent à ça. Il y a des entreprises qui vous disent que la livraison, elle est offerte. Faut pas rêver, hein, c'est dans la marge, hein, y a rien de gratuit, hein, ça n'existe pas. Donc, il faut se dire que si le tarif, il est attractif, mais que les frais de port sont un petit peu plus élevés, c'est aussi parce que il y a le carton, il y a le papier de soie, il y a les cartes de visite, il y a tout ça dedans et qu'il faut bien payer à un moment donné, quoi. Donc, si on ne le répercute pas sur la livraison, on le répercute forcément sur le prix du produit. C'est clair. Mmh. C'est mathématique de toute façon. Ah, oui. Y a pas... Les gens disent c'est gratuit, mais non, il n'y a rien de gratuit, hein, ça n'existe pas. Et puis, effectivement, on peut aussi consommer un petit peu mieux et peut-être des fois consommer moins. Mmh. C'est des vrais choix qui sont difficiles à faire. Je pense à ça aussi par rapport aux enfants. On a évidemment envie de faire plaisir à nos enfants et c'est très difficile de leur dire non et de dire non, mais là, non, on va pas acheter ça, etc. Ça. Mais il faut être fort. C'est ça. J'ai écouté Silou Bidou il y a pas longtemps et elle disait qu'elle avait inculqué ça à ses enfants, justement, sa manière de vivre. Et je pense que si réellement on se pose la question, après on va pas aller dans l'extrême non plus parce qu'il faut quand même vivre du e-commerce, mais si on se pose réellement la question de savoir si oui ou non on en a besoin ou si c'est un caprice, les enfants ils comprendront de la même manière. Après c'est très... Après il y a l'époque aussi, hein. C'est vrai que quand ils sont entourés, ils ont tous un iPhone, etc., c'est compliqué. Je sais qu'il faut, voilà, faut trouver un juste milieu, mais bon. C'est clair. Et après, moi, j'ai ce discours alors que cet après-midi, j'ai acheté des trucs d'Halloween à mes filles, à Claire's, à un prix, mais où tu sais, à te taper la tête contre les, tu vois, contre les murs et tu dis, mais pour cette qualité, c'est vraiment du vol. Ouais. Et en même temps, voilà, j'ai envie de leur faire plaisir pour Halloween et leur acheter. Et en plus, c'est pas tellement une fête que j'aime, etc. Mais voilà, ça leur fait plaisir d'aller faire avec les copines. Mais il y a des extrêmes, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'opposé, à craquer et au moindre caprice, et voilà, c'est... Ouais, c'est ça, c'est toute une histoire de compromis, mais bon, c'est ça. C'est difficile, ouais. Mais bon, en tout cas, on peut effectivement peut-être être un petit peu plus rationnel avec nous-mêmes pour nos propres achats déjà. Tout à fait, ouais. Ok, ok. Et alors, donc ça, c'était pour Arborescence. Voilà. Et côté B-Design, raconte-nous ce que tu fais de beau avec tes clientes. Alors, c'est bon ou globalement ? Globalement. Et c'est beaucoup de clientes. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de créatrices aussi de fait-main. Récemment, oui. Récemment, j'ai eu un afflux de créatrices. Donc, tant mieux. Hein. C'est aussi à force d'écouter tes podcasts, à force d'écouter aussi des professionnels, à plus me concentrer sur le persona. Tu en parlais il n'y a pas longtemps et à essayer de cibler justement un petit peu plus. À appliquer en fait ce que je dis à mes clients et ce que je fais en agence, à mon propre compte, hein. Faut faire ses devoirs, chacun son tour. Donc du coup, oui, c'est de fil en aiguille. Et puis comme maintenant j'ai une communauté un petit peu plus importante côté arborescence, je peux en parler un petit peu plus, que je travaille aussi pour les pros. Donc comme j'ai je suis pas mal de créatrices avec arborescence avec qui je discute. On fait des collabs, etc. Voilà, de fil en aiguille, on a du réseau. Et principalement, je propose du microservice, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vient souvent vers moi pour me demander du site internet en création de A à Z. Ce que j'explique souvent, c'est que le site internet de A à Z, c'est pas forcément une évidence et c'est pas ce sur quoi on va travailler toute l'année. C'est pas ce qui nous rapporte le plus d'argent, entre guillemets, dans une agence. Et c'est pas le fond du métier. On va en faire, mais on n'en fait pas des tonnes non plus, parce qu'un site internet, ça coûte cher, c'est un investissement, et on ne les change pas toutes les 5 minutes. Donc souvent, dans mon métier, on fait du microservice. Donc on dépanne les clients quand ils ont envie d'une évolution de site, quand il faut modifier des choses, quand il faut changer un thème, qu'il faut faire une refonte, qu'il soit un petit peu plus joli, un petit peu plus actualisé. Quand il y a des nouvelles fonctionnalités ou des changements dans l'entreprise, on fait du microservice. Et du coup, c'est ce que je fais aussi avec mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un certain attrait par rapport aux créatrices avec qui je discute avec Arborescence. Et du coup, je leur ai tout simplement proposé mon aide en leur disant, si t'es coincée, je vois que tu te débrouilles toute seule. Maintenant, si tu coinces sur certains trucs, n'hésite pas à faire appel à moi.
Je viens de t'aider avec plaisir. Bon, bien évidemment, je parle toujours de devis parce que je ne travaille pas gratuit, malheureusement, hein, ni en échange de services. On m'a proposé récemment de faire un site internet contre une fresque murale. C'est très gentil, mais pas vraiment équivalent pour moi. Mais bon, c'était gentil hein, dans l'esprit. Mais voilà, après un devis et après qu'elles m'aient expliqué leurs soucis, parce que le conseil, il est toujours gratuit, bien évidemment. Il y a de la bienveillance, donc je suis aussi épatée qu'elles fassent leur site toutes seules parce que moi, je l'ai fait pareil il y a quelques années. Donc, j'essaye de les conseiller et de leur dire, voilà, faut faire ci ou faut faire là. Elles font appel à moi, comme par exemple l'affaire Rose de Biboune il y a quelques mois, que tu as interviewé lors d'un podcast, qui avait importé son blogueur sur son WordPress et qui était complètement coincé. Donc, à la base, je lui ai dit, si tu veux, je regarde un petit peu. Je te dis ce qu'il en est, je te débloque, et puis ensuite, vaille que vaille, tu avances, et voilà, si tu as besoin, tu m'appelles après. Et puis finalement, par manque de temps, elle m'a confié donc la réalisation de son site, et elle a ensuite intégré tous les produits de sa boutique. Moi, je fonctionne sur devis et sur besoin. C'est-à-dire que si elles sont à même de se débrouiller toutes seules, je vais pouvoir leur livrer qu'une seule partie de leur site, et ensuite elles se débrouillent. Ça permet d'alléger un petit peu la facture aussi, et ça leur permet de mettre les mains dans WordPress, parce que je travaille principalement avec WordPress, et que je sois là à côté, en fait, pour les accompagner. C'est-à-dire que je leur fais des modèles, et ensuite, elles dupliquent. C'est-à-dire qu'elles partent pas de zéro à mettre les mains dedans et à se débrouiller. Je fais la base, et ensuite, je suis avec elles pour les aider jusqu'au cheminement, jusqu'à ce qu'elles publient elles-mêmes leur site à la fin. Génial. Voilà. Et alors, est-ce que si on parle prix, Oui. les tiens ou les moyennes du marché, hein, ceux avec quoi tu es le plus à l'aise, combien ça coûte si je veux créer un site sur WordPress? Alors, on va parler et prix du marché et les miens. On va avoir, tu vas pouvoir trouver du site WordPress. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on voit enfin, des concurrents, mais on va dire d'autres web designers, enfin, d'autres professionnels qui proposent de faire des sites internet à partir de 300 ou 400 euros. Il faut être vigilant parce que ce n'est pas une arnaque, mais ça n'est pas le détail. C'est-à-dire qu'en général, quand on vous dit qu'on vous installe un site à 300 ou à 400 euros, on vous met quatre pages, on vous met des plugins, on vous met un thème et vous vous débrouillez. Il n'y a pas le design, il n'y a pas l'intérieur des pages, il n'y a pas le menu, il faut tout faire. Donc, tout dépend un petit peu ce qu'on entend par « je veux un site internet ». Moi, je commence à 890 euros pour un site WordPress avec un thème, les plugins essentiels, 5 pages, le menu. Et ensuite, on va rajouter WooCommerce, on va rajouter des fonctionnalités. Donc là, c'est en fonction de ce qu'a besoin la créatrice, la personne, les fonctionnalités diverses. Par exemple, je ne sais pas si elle veut installer Mondial Relay, si elle veut installer un plugin pour remplir les champs pour les clients, si elle fait des objets personnalisés comme moi ou des doudous, des choses comme ça, des prénoms à broder. Donc là, on va être dans les 1100, 1200 euros avec donc WooCommerce intégré. Et ensuite, clé en main avec le nombre de produits intégrés, une centaine en général, parce qu'une boutique, c'est plutôt une centaine de produits, on est jusqu'à 2400 euros à peu près pour des fonctionnalités de base. OK. Parce qu'il faut comprendre que WordPress, ce n'est pas gratuit totalement. Il existe souvent des plugins qui sont gratuits dans leur fonctionnalité simple, mais dès que c'est un petit peu évolué, c'est des plugins qui sont payants. Donc, je Yes. m'explique, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, il y a deux, trois trucs qu'il faut qu'on Ouais, affine. c'est ça. Par exemple, chez Naturel, on va donner un exemple, donc qui est une savonnerie. On a installé il n'y a pas longtemps, c'est pas un secret, donc j'en parle, un plugin pour faire des coffrets. Donc, c'est-à-dire que les clientes peuvent choisir les parfums des savons. Par exemple, elles vendent des petits savons trois nuages, plus une éponge. Donc, le plugin qu'on a utilisé, il est gratuit à partir du moment, jusqu'à ce que tu choisisses trois produits. Là, il y a trois savons plus une éponge, ça fait quatre produits dans un coffret. On Ça passe en marche plus. plugin payant. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, j'ai un autre plugin qui, sur mon site, donne une date d'expédition au client. Donc, ça dit, voilà, par rapport au délai que moi j'ai indiqué, qui est en moyenne de 10 à 15 jours, à quelle date leur commande va partir. En gratuit,
Il est en date anglaise, donc Friday, la date dans l'autre sens, pas en français, etc. Et il n'inclut pas la période des vacances que tu peux lui imposer. Si tu veux mettre tes vacances, que ça inclut ta période où ta boutique est fermée, où tu n'es pas là, où les dimanches tu ne travailles pas, il faudra prendre le plugin payant. Et c'est toujours des petites variantes comme ça, hein, WordPress. Hein. C'est un petit peu sournois, mais il ne faut pas hésiter à aller voir en détail parce que souvent, on croit qu'il y a toutes les fonctionnalités et dès que tu veux changer un truc, il te dit non, il faut payer en fait. C'est toute la complexité de WordPress. Alors, tu as dit plein de choses, hein, Mathilde. Oui, pas forcément clair en plus. Alors, alors c'est très clair pour moi, mais effectivement, je suis pas la bonne cible. Oui. Parce que moi, ça fait quand même partie de mon métier. Ben, alors, donc, si simplement on reprend pour bien préciser les choses, un site web, c'est donc un site, mais qui est donc hébergé quelque part sur un serveur web, dans un data center, et on y accède par un nom de domaine. Voilà. C'est donc déjà, une adresse web, typiquement. Voilà. C'est comme l'adresse d'une maison, c'est pareil, il n'y en a qu'une, c'est comme ça, et voilà. C'est propre au nom du site. Typiquement, podcastfemin.fr. Voilà, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. Alors non, j'ai plusieurs noms de domaine, mais bref. Donc, un nom de domaine ou plusieurs, parce qu'il faut protéger le .fr, le .com, etc. C'est ça, Donc, un nom de domaine, un hébergement qu'on prend typiquement chez OVH, 1&1, il y en a des tonnes. Voilà. Possible en France, hein, si on a envie. Ouais, c'est mieux parce que ça héberge les données en France et pas aux États-Unis qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous en matière de protection des données, Par exemple. Et notre site web, en fait, on a plusieurs moyens de le faire. Ce qui se fait énormément aujourd'hui, c'est de partir donc d'un CMS. Donc, les plateformes CMS, c'est des Content Management Systems. Donc, c'est des systèmes de gestion de contenu. WordPress est extrêmement répandu, extrêmement connu. 62% des sites dans le monde, c'est des WordPress. 62%. Donc, c'est énorme. C'est quand ? Et alors, effectivement, la base de WordPress est gratuite, sauf sur WordPress.com quand on a l'hébergement qui est compris. Voilà. Mais si vous prenez votre hébergement chez OVH, par exemple, c'est mon cas pour les sites web que je fais pour moi, en un clic, vous allez pouvoir… c'est tout programmé, etc. C'est tout préparamétré. 8 euros par mois en hébergement à peu près en mutualisé. Donc ça, par contre, de parler du mutualisé, je te reparlerai peut-être de Caro From Woodland un petit peu plus tard pour l'hébergement. On pourra en reparler. Alors l'hébergement mutualisé, ça veut dire que votre site va être sur un petit morceau du serveur et qui ce serveur est mutualisé, il est partagé entre énormément de sites internet. Voilà. En gros, vous êtes en coloc avec d'autres gens. Voilà. Vous faites pas ce que vous voulez. Et c'est par opposition à un serveur dédié. Dédié, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la plateforme WordPress. Alors, comme tu le disais, il y a plus de 60% des sites web qui sont sur WordPress. Donc, ça veut dire que c'est aussi un site, une plateforme de site sur laquelle il faut être vigilant au niveau de la sécurité. Parce que du coup, c'est plus piraté que les autres, tout à fait. Voilà. C'est un peu l'équivalent, le parallèle entre les PC et les Mac. Ouais. Windows est plus piraté parce que maintenant il y a un petit peu plus de Mac maintenant. Mais... Donc WordPress, alors on parlera peut-être, on va continuer WordPress et puis après on parlera des autres alternatives. Ouais. Donc des autres plateformes, il y en a énormément. Oui. Il y a des agences web qui vont vous proposer leurs propres solutions e-commerce. Okay. Il y a des solutions e-commerce vraiment très connues sur le marché, type Auxatis, Power Boutique, etc., qui sont éditées par des boîtes françaises, pour ceux que j'ai cités. On a évidemment des plateformes comme Wix. Oui. Wix, c'est américain. Il me semble. Anglais. Ouais. J'avoue que Wix, j'ai un peu décroché depuis quelques années. Kali, c'est pas mon préféré, donc du coup, j'ai arrêté un petit peu de m'y intéresser. Ouais. Mais, excuse-moi Mathilde, et après, on a aussi des plateformes comme Etsy ou Un Grand Marché, précédemment Little Market, etc. C'est ça, où on peut aussi vendre
sans se préoccuper de cet aspect technique finalement, parce que Ouais. c'est une plateforme qui existe sur laquelle vous avez, entre guillemets, que à mettre le nom de votre boutique, créer vos produits, mais de manière hyper simple. Tout à fait. Oui, ça s'ouvre en une journée, hein. Une boutique sur Etsy, c'est très très rapide, hein, pour le coup. Comme sur un Voilà. gros marché, comme on a Petit Mana aussi en petit marketplace pour créatifs du fait main, par exemple. C'est un marketplace français. Ok. Celui-ci, je le connaissais pas. Tu connaissais pas? Non. C'était géré par le compte de So Cute World auparavant. Et maintenant, c'est Anne-Charlotte Chapman qui a récupéré et qui D'accord, d'accord. gère Petit Mana. Ouais. Ok, alors si, C'est je aussi une vois. entrepreneuse créative, Anne-Charlotte. Elle a écrit des livres chez Ouais, Erol. tout à fait, je vois bien. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est les plateformes finalement parmi lesquelles on peut choisir pour faire du e-commerce Ouais. simplement. Alors, pourquoi on va choisir un WordPress et pas d'autres plateformes? Et est-ce que c'est ce que tu recommandes aussi, c'est de choisir WordPress? Alors, moi, je recommande WordPress parce qu'il est facile à prendre en main. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Il y a Joomla, il y a PrestaShop dans le même esprit, mais qui sont quand même un petit peu plus compliqués. Avec WordPress, tu as la liberté de faire ce que tu veux. Au niveau du design, au niveau des extensions, au niveau, tu es assez libre. Mais c'est vrai que techniquement, faut arriver à suivre quand même derrière. Je cache pas que c'est vrai que moi je demande souvent si elles ont pas peur quand même de mettre un peu les mains dedans parce que techniquement c'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc c'est pour ça que je préfère souvent aussi les mettre en garde quand elles me disent ah, je vais me faire une boutique sur WordPress. J'ai une voisine qui m'en a parlé il y a pas longtemps qui m'a dit ah, je vais me faire un site WordPress. Quand on a zéro connaissance, honnêtement, c'est quand même assez compliqué. C'est pas ce que je recommande au premier abord. Mais par contre, WordPress sera beaucoup plus abordable qu'un PrestaShop ou qu'un Joomla. Ah oui, largement. Ouais. En Voilà. termes de. Oui. Et puis, il y a un. C'est beaucoup moins compliqué. Et chez Voilà. PrestaShop, toutes les extensions sont payantes en plus, hein. Donc, Ouais. ouais. Et alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'agences, de web designers ou de prestataires freelance que vous allez pouvoir solliciter et qui vont faire un bon boulot sur WordPress. Ça. Et c'est moins le cas. Alors, PrestaShop, c'est quand même une grosse plateforme, c'est très connu aussi, hein, il y a plein de prestataires. Français. Mais voilà. En fait, c'est moins open source, il y a beaucoup moins de disponibilité sur PrestaShop parce qu'il y a moins de développeurs qui travaillent dessus. Open source, ça veut dire qu'il y a des bénévoles, en gros, qui bossent sur des extensions, sur des fonctionnalités, sur des thèmes, sur plein plein de choses, et que chacun y met un petit peu sa patte. Donc, il faut faire aussi attention à ça, c'est double revers. Mais comme c'est plus connu, il y a plus de gens qui travaillent dessus. Donc, il y aura plus de choix, plus de correctifs, plein plein de choses. Exactement. Et typiquement, même pour des sites web plus conséquents dans des entreprises, etc., si je parle de mon cas dans ma boîte, on a travaillé avec une agence pour le développement de la nouvelle version de notre site, c'était en 2018, et puis après on a tout fait en interne, etc. Et puis à un moment donné, j'y arrivais plus trop, et puis on avait certains soucis qu'on n'arrivait plus à résoudre. Et puis ben là, on a démarré à travailler avec une nouvelle agence, et finalement qui a repris le bébé, entre guillemets, très très facilement. Ouais, parce qu'il y a des Voilà. développeurs aussi qui peuvent bosser dessus. L'avantage de WordPress, c'est que du coup, tout est accessible en plus. Les développeurs, ils peuvent bosser dessus. Alors, ils aiment pas trop parce qu'apparemment, bon, pour un développeur, le code WordPress n'est pas très très propre, mais ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais oui, l'avantage, c'est que tu peux après demander. On peut tout faire en fait. On peut partir, nous à l'agence, on part parfois des WordPress, mais vides, complètement vides. C'est-à-dire que tu vas vraiment faire. On a travaillé avec une graphiste l'année dernière qui nous a fait un design complet, donc un thème qui n'existait pas, et on a fait un thème WordPress au client personnalisé avec le graphisme de la graphiste. Donc on est parti vraiment de zéro et on a codé au client du coup un WordPress. Donc il pouvait ensuite gérer l'interface à l'intérieur, etc. De la même manière, les articles, les produits, etc. Mais il était sur mesure. Ils n'ont pas acheté Ouais. de thème. Ouais. Ouais. Et donc il y a toujours la structure de base, et effectivement, C'est après ça. ce que tu disais, les extensions, les plugins, hein, c'est la même chose. Oui, C'est le plugin en anglais, l'extension en français. Ouais. Voilà. Ce sont des fonctionnalités supplémentaires qu'on C'est va ça. ajouter au site. Parce que un WordPress sans aucun plugin, ça n'existe pas. C'est pas ça. Enfin, il n'y a Il y en rien, a, quoi. c'est vraiment basique. Ouais. Ouais. C'est moche.
Donc, WordPress, donc la base. Ensuite, des plugins pour ajouter des fonctionnalités. Et puis, le thème, c'est toute la partie design et graphisme. Voilà. Et puis, tout à l'heure, tu parlais aussi de WooCommerce. Oui. Donc, ça, c'est comme ça un peu spécial, je vais vous l'appeler. C'est WOO et Commerce. Et ça, c'est la partie e-commerce de WordPress. Parce que par défaut, WordPress, ça a quand même été, rappelons-le, une plateforme de blog. C'est ça. De base, WordPress, c'était fait à la base pour faire du blogging. Donc, c'est vrai que très souvent, là encore dernièrement, j'ai deux clientes avec qui je travaille. On va sortir deux nouveaux sites là au mois de novembre et je leur demande leurs inspirations. Donc, elles m'envoient des blogs ou des sites internet qu'elles aiment niveau graphique pour que je puisse choisir leur thème, que je puisse, voilà, parce qu'il y en a des milliers, donc il faut bien que j'arrive à cerner leurs idées. Et il arrive que les thèmes qu'elles me montrent ne soient pas WooCommerce et qu'on ne puisse pas... Enfin, on peut toujours installer WooCommerce, c'est un plugin. WooCommerce, c'est aussi un plugin compatible WordPress. Mais il arrive qu'il y ait des thèmes qui soient trop vieux ou qui soient vraiment que axés blog et où on ne pourra pas installer WooCommerce. Donc ça, par contre, je déconseille vraiment de le faire parce que j'ai déjà dépanné des créatrices qui ont installé un WooCommerce sur un blog et ça crée des soucis. Il y a des problèmes de compatibilité avec les autres plugins, avec les autres extensions. Donc, il faut éviter de le faire. Et quand on achète un thème, il faut bien regarder qu'il soit compatible WooCommerce. Il n'y a pas que WooCommerce, par contre. On parle souvent de cette extension-là, mais il y en a d'autres. Donc, moi, j'invite aussi les gens à regarder d'autres choses parce qu'il n'y a pas que ça. C'est le leader, mais voilà, il n'est pas seul non plus sur le marché. Il y a d'autres choses qui arrivent, qui essayent de concurrencer un petit peu. Hein. Génial, parfait. Ouais. Donc là, on a déjà bien débroussaillé le WordPress, etc. Et je fais une parenthèse. Tout à l'heure, quand tu parlais de tes prix, vraiment, ça me semble très, très abordable. Hein. Parce que moi, je travaillais en agence web avant, pendant 11 ans, donc je connais bien le sujet. Je peux vous assurer que... On pratique en agence, hein, on est d'accord. Voilà. Après, alors, peut-être qu'on peut parler aussi un petit peu des avantages, pour être très transparent, de confier son site à une agence où il y a plusieurs personnes versus travailler avec un freelance, faire ce choix du freelance. Qui est tout seul? Déjà, en agence, on n'a pas le même tarif. Hein. Faut savoir que moi, le tarif horaire que mon patron applique lorsque je travaille pour un client et celui, le mien, en indépendant avec des créatrices, c'est pas du tout le même. C'est deux fois, voire trois fois. C'est le triple en général. Tout simplement parce qu'une agence, forcément, elle a un local, elle a l'URSSAF, enfin, elle a des taxes d'entreprise, voilà, un fonctionnement qui est différent d'un indépendant et d'une petite auto-entreprise comme la mienne. Donc, forcément, oui, on va avoir des prix qui sont un petit peu plus. Qui sont vraiment différents. Maîtrisés, oui, qui sont vraiment différents. Moi, les tarifs que j'ai en tête. Mais ça sera certainement pareil. Et puis, plus tu es dans des grandes villes, plus c'est ça aussi au niveau des agences. Mais un développeur web, et puis tous les métiers globalement, hein, un designer, un développeur web, un intégrateur graphique, etc., c'est entre 500 et 800 euros la journée. C'est ça, ouais. Moi, c'est pas un secret, hein, mais pour les clients, en moyenne... en termes de facturation, tout dépend ce que je fais. Également, si je fais du graphisme ou si je fais de l'intégration, c'est pas le même métier, donc c'est pas en plus le même taux horaire. C'est entre 45 et 90 euros de l'heure. C'est pas ce que moi je prends en indépendant. Donc oui, souvent on nous dit que c'est cher, mais il y a aussi des heures et des heures de travail derrière. Au minimum, le plus bas en agence, un site internet de base. Donc, plus un blog sans WooCommerce, sans boutique, sans rien. Le minimum, c'est 1500 et c'est un tarif d'amis, hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand on prend du WooCommerce en agence, déjà, on ne vous fait pas la fleur, entre guillemets, de vous dire oui, on va vous installer le minimum et vous vous débrouillez derrière. En agence, en général, c'est tout ou rien. Soit on vous fait tout, soit on vous fait rien. Et au minimum, c'est 4000 euros en moyenne. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas « s'adapte à vous » et non, c'est comme ça et… Tout à l'heure, on parlait d'Oxatis, Power Boutique, etc. Il y a tout un tas d'acteurs comme ça qui ne sont donc pas open source. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire du développement à partir de ces plateformes-là.
C'est tout ou rien. C'est des fonctionnalités qui existent, qui ont été développées par ces boîtes-là, qui sont des spécialistes du e-commerce. Ça fonctionne très bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Après, voilà, vous pouvez voir des comparatifs sur Internet pour regarder tout ça. La différence, c'est que, alors potentiellement, vous aurez des frais de setup, gestion. D'installation. Voilà. Et puis après, vous aurez un abonnement mensuel. Voilà. Dans lequel est compris l'hébergement. Ils vont mettre aussi un peu le nom de domaine, tout ça. Ouais. Le support client, enfin voilà, tout un tas de choses où vous allez avoir cet accompagnement-là. Et puis, la différence aussi que je voulais faire, la subtilité aussi entre un freelance et une agence, mes arguments quand j'étais en agence, c'est que bon, par contre, le freelance, il est tout seul. Donc, s'il a un souci de planning ou s'il est absent, malade, etc., ben là, c'est pas le confort de l'agence où le projet peut être pris par une autre personne. Sur cet aspect-là du freelance qui est tout seul, il y a quand même des arguments en faveur du freelance. Alors, déjà, il y a la disponibilité et puis on n'est jamais tout seul parce que normalement, quand un freelance comme moi travaille en indépendant, quand vraiment on a le bon sens, hein, on ne sait pas tout faire et il ne faut pas non plus le croire. Moi, je ne suis pas graphiste et je ne suis pas développeur. Donc, suivant ce que le client va me demander, si ça coince et que je ne suis pas à même de le faire, je vais sous-traiter et je vais demander de l'aide à ces deux métiers qui sont vraiment complémentaires. Parce que le web designer, il est entre les deux, en fait. Ils ont créé je ne sais pas si c'est l'éducation nationale, je ne pense pas, mais l'État, du moins, a créé ce diplôme qui n'existait pas auparavant pour répondre aussi à une demande des entreprises qui souhaitaient avoir des gens qui soient polyvalents et fonctionnels et qui puissent gérer les deux. Mais on ne peut pas gérer les deux. Donc, on est vraiment entre les deux. Moi, je ne suis pas designer produit. Je n'ai pas, la fibre pour faire du packaging. C'est pas possible. Et inversement, à l'extrême, je ne suis pas développeur. Donc, pareil, niveau code, je suis limitée. Je fais du HTML et du CSS. Ce ne sont pas des langages. C'est simplement de la mise en forme. L'affichage. En fait, on pose du papier peint dans un appartement. Je ne construis pas les murs. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas maçon, je suis juste décoratrice. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, du coup, un freelance, il sera plus disponible, mais on ne sera jamais tout seul. Normalement, ça ne l'est pas. On travaille aussi en communauté et on a la chance. Il y a de la concurrence, mais il n'y en a pas trop. Entre indépendants, je trouve qu'on arrive quand même à être assez solidaires. Et il y a beaucoup de groupes dans les grandes villes qui se font. Nous, on a les designers lyonnais. À Lyon, c'est un groupe Facebook où on se réunit, où on fait des meet-up, où on rencontre des gens. Donc, on trouve toujours des solutions pour collaborer avec d'autres professionnels. D'accord. Ah ça, c'est génial. Ouais. OK. Bon, super. Donc, quelle que soit la solution que vous choisissez, il faut de toute façon, après, aussi bien sentir la personne avec laquelle vous allez bosser. C'est important. C'est ça. C'est super important. On se supporte, entre guillemets, pendant 4 à 6 semaines. Hein. Un site internet, c'est pas souvent, mais c'est long. Oui, en fait, c'est long. Hein. On fait pas ça en 5 minutes. C'est assez long. Oui, et à contrario, un mois et demi. Si ça se passe bien, parce qu'un site internet, c'est pas toujours ça se passe bien. Ça n'existe pas aussi. C'est pareil. Il y a toujours des tuiles en cours de création. Ça arrive toujours. C'est comme dans la construction d'un appart. Tu faisais le parallèle avec l'appart. Ok, bon, mais quand même, globalement, ça se passe bien. Hein. Ah oui, bon, ça se passe bien. Ouais. Bon, super. Donc, on a bien parlé de WordPress, du fonctionnement. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais aussi une expérience sur Etsy. Ouais. Pour toi, c'est quoi les points forts d'Etsy et les challenges d'Etsy? Alors, Etsy, c'est une grosse plateforme donc, qui a été rachetée à la base, c'était Little Market, qui a été rachetée il y a quelques années, je ne sais plus quand d'ailleurs. Ça date, maintenant, oui. Oui, par des Américains. Alors, le gros avantage, c'est qu'effectivement, côté
client va avoir beaucoup de choix, mais côté créateur aussi, la facilité, c'est qu'on est très accompagné. C'est une plateforme où on vous explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tutos. C'est quand même assez simple à mettre en route. On vous explique comment mettre en valeur vos produits, comment les prendre en photo, comment les vendre, travailler votre texte, etc. Donc ça, c'est bien d'aider un petit peu pour les fiches produits. Il y a des statistiques très avancées sur Etsy. On voit les meilleurs produits, comment ça évolue, etc. Le nombre de visites, le chiffre, tout ça. C'est vraiment pratique parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Ça fonctionne à peu près comme WordPress puisqu'il y a des variables, c'est-à-dire que vous pouvez vendre un même produit en plusieurs coloris, par exemple, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes, par exemple. Moi, je suis chez Un Grand Marché qui est une autre plateforme où pour le moment, comme c'est un petit peu plus jeune comme marketplace, cette fonctionnalité n'existe pas encore. Bon, ça viendra, hein, il faut laisser le temps aussi aux développeurs de travailler dessus. Mais voilà, sur Etsy, il y a beaucoup de fonctionnalités, en fait, qui sont très, très proches de ce qu'on attend d'un site e-commerce. On parle des inconvénients ou pas ? Vas-y, vas-y. Alors, moi, j'ai appelé ça des challenges pour rester positif, mais vas-y. Voilà. Alors, du coup, j'ai eu une boutique Etsy de 2017 à cette année. J'ai arrêté au mois de juin, tout simplement parce que je n'y retrouvais plus. Etsy, c'est super bien. Ça vous propulse certains produits. Je dis bien certains produits parce que Etsy, ils ont un algorithme. Et c'est par période. C'est-à-dire que moi, j'avais une centaine de produits sur ma boutique et que par période, je ne vendais que des stickers bohème. Et ensuite, je vendais un petit peu de kits pour les témoins ou pour les mariés et je ne vendais que ça à la suite. Le problème, c'est qu'ils mettent en avant ce qui se vend bien et ce qui est beaucoup vu. Et pas forcément les produits dont vous voulez, enfin ceux que vous voulez vendre, ceux sur lesquels vous faites plus de marge ou voilà ceux que vous avez envie de mettre en avant. Donc c'est un peu redondant malheureusement parce que vous vendez toujours un petit peu la même chose à partir du moment où vous avez beaucoup de produits, ben, c'est toujours un petit peu les mêmes qui reviennent. Bon, l'avantage c'est que maintenant, mais c'est une fonctionnalité qui est payante, donc on vous déduit des frais. Vous avez en plus Google Ads, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier des publicités Google grâce à Etsy. Donc ça, c'est ça, tu peux plus expliquer que moi, Mélanie, je pense, comme tu es dans le marketing. Alors, sur la partie Google Ads, en fait, c'est que quand vous êtes sur google.fr, par exemple, et que vous cherchez, qu'est-ce qu'on va chercher allez, je prends toujours l'exemple iPhone. Ouais. Quand vous cherchez iPhone, vous allez avoir des publicités qui vont s'afficher. Donc, ça va être justement marqué ads et publicités. Voilà. Donc, il va y avoir des résultats de sites web sponsorisés et il va y avoir aussi des produits sponsorisés. Voilà. Et donc, voilà, Etsy va arriver à mettre dans ces endroits sponsorisés les produits des boutiques donc, qui prennent cette option. Ouais. Parce que Google Ads, c'est une fonctionnalité que n'importe quel e-commerce peut avoir, mais qui est très, très chère. Si vous mettez pas 10 euros par jour au minimum, ça sert à rien. C'est vraiment inexistant. Et là, bah, vous aurez la fonctionnalité entre guillemets gratuite avec Etsy, c'est-à-dire que c'est incrusté dedans, mais on vous prend des frais. Hein. Par contre, ça, faut pas rêver. C'est comme je disais précédemment, il n'y a jamais rien de gratuit. C'est aussi le point faible, je trouve, d'Etsy, c'est que les frais sont très, très flous. On vous dit 10 à 15% et parfois, c'est vraiment plus. Donc, je trouve ça vraiment dommage pour une plateforme qui se dit revendiquer le fait main français. Je trouve que ça a baissé un petit peu de qualité. L'inconvénient aussi, c'est qu'ils sont pas forcément très très regardants sur les professionnels et les non-professionnels. Donc après, bon, je veux pas non plus créer de polémique, mais quand vous avez votre entreprise et que vous payez des charges URSSAF, c'est quand même dommage d'être en concurrence avec des créatrices qui, elles, ne sont pas déclarées et qui font la même activité que vous. Bon, après, chacun fait comme il veut, risque ou risque pas, mais voilà, là-dessus, ils regardent pas trop, alors que d'autres plateformes, oui. Et puis, non, globalement, c'est à peu près tout. Je trouve que les frais sont très, très chers, en fait. Moi, ça, ouais. Je vendais plus et je vendais pas les produits que pas que j'aimais le plus, mais que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Ouais. C'était un peu redondant, c'était toujours la même chose. Et dès que je sortais des nouvelles collections, ça marchait pas, alors que ça marchait sur mon site à moi ou sur Un Grand Marché. Donc, j'ai arrêté à cause de ça. Ça me correspondait. Ça marche.
Ouais. J'avais beaucoup lu aussi sur Etsy que finalement, quand on n'est pas aux États-Unis, on est un peu noyé, quoi. Finalement, les produits C'est ça. français sont assez noyés. Ouais, faut beaucoup Après, chercher quand on est client. ouais, il y a quand même un avantage, surtout quand on démarre, c'est que potentiellement, on a justement une fenêtre en fait sur le monde Voilà. où on va pouvoir vendre à l'international, etc., expédier loin. C'est ça. Parce que y a cette visibilité qui est offerte Oui. sur Etsy. Et puis il y a une certaine aussi confiance qu'on peut accorder aux vendeurs sur Etsy, où elle peut être di plus difficile cette confiance à gagner sur un site e-commerce lambda qui est le vôtre, où il faut montrer qu'on est sérieux et donner envie à l'internaute d'acheter et de nous laisser, enfin, qu'il soit d'accord de nous laisser ses euros et qui, en se disant j'ai suffisamment confiance pour laisser d'une ma carte bleue, de deux, de payer donc une certaine somme C'est et ça. être sûr que je vais recevoir mon produit. Oui. Bon, après, comme partout, hein, il y a des escrocs partout, entre guillemets, et des fois, on lit des avis sur Etsy de créatrices Clean, pas ouais. très pro et voilà, où il y a eu des soucis. Mais oui, c'est sûr qu'on a la sécurité de se dire, voilà, c'est sur Etsy, il y a un super service client. Ça, c'est sûr, par contre, de ce côté-là. Alors, le service client, en plus, il est un petit peu plus côté client que côté professionnel, hein. Je peux vous dire que quand on a un souci avec une cliente sur Etsy, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce que ben, même si la cliente a été de mauvaise foi, j'ai eu deux, trois soucis là pendant le confinement, justement, sur Etsy, ça a fini d'acheter le truc. Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, je voulais arrêter, ben, stop. Voilà, j'ai eu un souci avec une cliente qui a laissé un très, très mauvais avis parce que ben, le baptême de sa petite fille au mois d'avril n'a pas eu lieu. Elle m'a contactée sur Facebook, par Messenger. Je lui ai dit que je pouvais rééditer une partie de sa commande, mais pas tout. Elle avait commandé des mini bouquets en fleurs séchées. Et je lui ai dit, ben, il n'y a pas de souci, je vous réimprime si vous voulez le petit papier craft et puis vous refaites vos bouquets vous-même. Et bien évidemment, ben, je lui prenais des frais de port hein, parce que ce n'est pas gratuit. Donc elle en avait pour 7 euros plus 3 euros pour les frais de port pour une commande qui faisait un petit peu plus de 30 euros à la base. Je n'ai jamais eu de réponse de cette personne et elle s'est empressée ensuite de mettre un commentaire sur ma boutique des plus désagréables. Je n'ai jamais réussi à demander à Etsy de le retirer. Ils estiment en fait que le client a le droit de donner son opinion. Et malheureusement, côté créateur, j'ai été très très déçue parce que c'est un robot qui vous répond. Donc en gros, vous êtes un numéro et puis c'est tout. Il n'y a pas le côté humain. Donc moi, j'ai été très déçue de ce côté-là parce qu'effectivement, quand tout fonctionne, bah ça va bien, on vous encourage, mais quand vous avez un pépin et que réellement c'est pas de votre faute, parce que là je suis désolée, le confinement c'est pas de ma faute, le baptême de sa petite fille a été annulé, c'est pas de ma faute, j'ai essayé de trouver une solution pour elle, j'ai voilà arrangé pour que ça soit moins cher, je lui ai fait un tarif attractif, ça ne lui a pas convenu. Malheureusement, quand il y a des gens qui sont mauvais, de mauvaise foi ou qui sont pas forcément agréables, ben moi j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de soutien niveau créateur en fait et j'ai pas eu ça. Alors que Et je pense t'as que quand pour même eu la un langue droit de... française Ouais, et t'as quand même eu un droit de réponse ou pas? oui, par un robot. Oui, mais toi, tu as pu Ah oui, moi je peux répondre faire à répondre l'avis. à la cliente, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Okay. Mais bon, c'est sa parole contre la mienne, quoi. Donc Oui, mais c'est le principe des avis et c'est normé en plus par l'AFNOR maintenant, tout c'est ça. ça. Donc du Donc, coup, bon, ouais. c'était un petit peu désagréable, voilà, de pas se sentir compris en plus dans cette période qui était difficile, où moi j'ai eu beaucoup de commandes annulées, beaucoup de clientes qui malheureusement n'ont pas pu faire leur événement en temps et en heure, et j'en ai encore eu dernièrement. Donc là, c'était vraiment l'incompréhension totale, quoi. C'était le double coup de massue et de la cliente et d'Etsy. J'ai dit bon bah c'est bon, j'arrête, je rouvre pas. Ouais. Donc Et alors, tu as aussi une boutique sur un grand marché? oui. En fait, quand ça a basculé de A Little Market à Etsy, il y a eu un groupement de créatrices qui sont toutes parties et qui se sont regroupées, il me semble, plutôt vers un grand marché. Alors, je ne sais pas si les créateurs de un grand marché, je ne voudrais pas dire de bêtises, sont issus de créatrices de Little Market, tu vois ce que je veux dire, si c'est une Ouais. ancienne équipe, etc. Mais il y a eu une grosse migration, j'ai dit, ah, oh, bah, j'essaye, on verra. Et puis, j'ai gardé sur Etsy en me disant, bon, bah, je garde les deux parce que
je crois en cette plateforme française, mais en même temps, elle démarre, donc ça va être dur parce que Etsy géant américain arrive, j'aurai peut-être plus de vues. Et j'ai gardé Etsy, j'ai gardé un grand marché. Mais au final, voilà, j'ai arrêté Etsy en juin et j'ai gardé un grand marché parce que voilà, cette plateforme, on va pas dire que ça me rapporte beaucoup de vues, mais je vois pas l'intérêt de l'arrêter, donc je l'ai gardé. Je fais quelques ventes, j'en fais pas énormément, mais je l'aime bien, donc je l'ai gardé. Ok, nickel. Et est-ce que c'est pareil, tu as une commission sur chaque vente ? Oui, mais celle-là, elle est fixe. C'est 10% et vraiment, c'est 10%. Il n'y a pas de fluctuation comme chez Etsy, où c'est chez Etsy, c'est très flou. Il y a des commissions sur la TVA, il y a des commissions sur la vente. Ensuite, il y a une commission sur les fiches produits. Ensuite, il y a une commission si vous renouvelez le fiche produit. Enfin, c'est sans fin, en fait. Pour donner un exemple, j'ai fait une grosse commande l'année dernière, je crois au mois de février ou au mois de mars. Je crois que c'était 170 euros à peu près. La personne a pris 20 mini-bouquets ou je ne sais plus, 40 mini-bouquets, je dis une bêtise, hein, mais je ne sais plus combien. 40 mini-bouquets. Comme je ne fais pas de tarif dégressif parce que c'est un produit qui est entièrement fait main, elle a cliqué donc 40 fois sur le produit. Enfin, elle a mis 40. Etsy m'a débité 40 fois 20 centimes de renouvellement de fiches produits. Donc, au final, sur 170 euros, on m'a pris 32 euros de frais. Pour moi, ça fait pas 10% ni 15%. Hein. On était plus proche des 18%. Donc, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Non, je paye pas 30 euros sur 170, quoi. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais par rapport, en fait, à ce qu'on vous annonce, ce que je reproche à Etsy, c'est d'être trop flou. Mmh. On sait pas réellement ce qu'on paye. C'est pas assez variable. Du coup, comment t'as fait? T'as annulé la vente? Enfin, tu ne l'as pas accepté? Non, et tu... je l'ai gardé. Par contre, par la suite, j'ai limité le nombre de produits à 11. Et quand les clientes voulaient en prendre 40 ou 50 ou moins, c'est-à-dire bah, au-dessus de 10, il fallait qu'elles me contactent et je leur faisais une fiche produit personnalisée pour payer des frais que sur une fiche produit et pas sur 20. D'accord. Et t'aurais pu aussi les envoyer vers ton site à toi? Oui, mais bon, on est quand même surveillé, donc j'évite de le faire. J'ai évité de le faire parce que c'est pas très honnête en fait. Normalement, Etsy c'est pas là pour harponner des nouveaux clients. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'es pas là pour faire de la pub pour ton site existant. Étant donné que la messagerie est quand même surveillée un minimum, je pense, je voulais pas m'en servir pour les envoyer sur le site. Par contre, dans les colis, oui, j'indiquais à l'époque qu'il existait une boutique Arborescence. Avec un nom de domaine dédié, mais c'était seulement à la deuxième commande. Le but, c'était de fidéliser un petit peu après, mais voilà, pas de les détourner. Ouais, d'accord. Je pense pas que ça soit autorisé. J'ai jamais lu les CGV dans ce sens-là, mais je pense que, à mon avis, c'est pas très autorisé. Ouais, tu penses qu'ils sont vraiment vigilants comme ça? Bah, je pense, oui, hein, quand même. Ouais. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des petits robots qui surveillent ce qu'on dit dans les conversations, quand même. Oui. Qui détecte si vous mettez un lien, HTTPS, tout ça, ding, une petite sonnerie, un truc qui s'allume quelque part. On voit bien le comment ça s'appelle, c'est le gyrophare. C'est ça. On voit bien gyrophare rouge là qui. Elle a essayé. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres alternatives pour faire du e-commerce et vendre ces petites créations fait main? Alors toi, tu m'avais parlé de Squarespace. Ah oui, exact. La fille qui ne se souvient même plus de ce qu'on s'est dit. Ouais. Ah bah, c'était il y a longtemps. Ouais, c'est bien, il y a trois semaines. Oui, donc alors... j'avoue que je suis allée un petit peu voir cette espèce de concurrent de Wix, en fait, du coup. Et il faut qu'on parle de Wix aussi. Ouais. Alors, Squarespace, c'est Marine de l'Encrerie Marine, épisode 18. Ouais. À peu près par là. Je commence à avoir des. Je commence à bugger un peu sur les numéros. Marine, qui effectivement, elle, passait par Squarespace, oui. Ouais. Du coup, je suis allée un peu voir. Graphiquement, c'est sympa. Après, j'ai pas forcément trouvé toutes les infos concernant. Parce que moi, je regarde toujours hein, les frais cachés, tout ça, des formations professionnelles. Je regarde un petit peu ce qui se passe. J'ai pas trouvé de faille. Voilà. Apparemment, ça fonctionne sur abonnement, il me semble. Oui. Un petit peu comme ePro Shopping. Moi, je connais ePro Shopping qui fonctionne, je pense, comme Squarespace, pardon, où tu as des templates, pareil, donc des thèmes téléchargés à installer et tu payes un abonnement tous les mois. Pour démarrer, c'est bien, hein, moi, je trouve. Hein.
quand on ne veut pas mettre les mains dans le cambouis, être indépendant et avoir son nom de domaine, parce qu'avec Etsy, ce n'est pas le cas, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Comme ça. Je suis d'accord. Et alors, par contre, Wix. Oui. Bon, moi, je n'aime pas. Toi, tu n'aimes pas? Non, j'aime pas. Alors moi, j'ai toujours, donc comme je le disais, j'ai été dans une agence web pendant 11 ans, ouais. Donc toujours avec des sites faits sur des, avec des CMS bien conçus, etc., qui étaient faits en interne dans l'agence dans laquelle je travaillais. CMS pour faire des sites plutôt comme on appelait à l'époque, mais encore un peu maintenant, des sites vitrines, donc où il y a finalement du contenu, mais il n'y a pas d'e-commerce. Voilà. Et du e-commerce. Donc, et j'étais... équivalent de product owner, chef de produit, pour une plateforme e-commerce homemade. Ouais. Donc voilà, un des petits concurrents, parce que ce n'est pas du tout les mêmes échelles, mais un des petits concurrents de PrestaShop, Doxatis et compagnie. Oui. Pourquoi je racontais ça? Parce que j'ai, donc, je connais bien cet univers du e-commerce, mais derrière, quand je suis sortie de cet univers-là, tous mes sites, et puis même déjà avant, mes sites pour moi, ou j'ai même fait un site pour la vente de la maison de mes parents, enfin bon bref, les sites que je faisais, je les ai toujours faits sur WordPress. Ouais. Et pour pousser l'anecdote plus loin, quand je faisais des cours dans une école à Grenoble, ça s'appelle l'IAE, c'est un réseau d'écoles, bref, école de gestion, à l'IAE, je faisais toujours chaque année à la classe que j'avais, je faisais toujours en fil rouge, je leur faisais créer leur propre site web. Oui. Pour, avec un CV ou alors une petite boutique ou quelque chose, quoi. C'est toujours un exercice qui est hyper intéressant. Ouais. Et donc, du coup, j'ai découvert aussi d'autres plateformes type Wix et compagnie. Et donc, moi, j'ai toujours fait sur WordPress, comme je le disais. Et puis, là, la société pour laquelle... je travaille, se rapproche d'une autre société et le site internet de cette société, donc ça s'appelle EduClever, là où je travaille, et le site internet d'EduClever, EduClever.com, c'est sur Wix. Et alors là, j'ai commencé un peu à faire la gueule, quoi. Je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est ça. Et donc moi, tous les sites qu'on avait pour Orthodidacte, la société de laquelle je venais, c'était sur WordPress. Ben oui. Donc, Wix, bah, il a fallu que je m'y mette. Et alors déjà, ça a commencé par m'énerver. Alors en plus, c'était pile avant le confinement. C'était 3 jours avant où je me dis, bon là, faut que je mette à jour le site. Oh, oui, c'est récent. Et puis, en fait, j'arrive bon an, mal an parce que l'interface est quand même correcte. Ouais. Et finalement, une semaine après, j'ai plus mes modifs. Alors que j'étais sûre d'avoir publié, validé, tout ce que tu veux. Oh là là. Donc, j'ai un peu une mauvaise expérience. Depuis, je ne l'ai plus touché et je demande aux personnes qui travaillaient avec moi de s'en occuper. Donc, c'est pour ça que je suis un peu, tu vois, j'ai une petite dent contre Wix. Mais voilà, toi qui as un avis peut-être un peu moins émotionnel. Bah, disons que pareil, je n'ai pas forcément une bonne expérience. Ça fait à peu près 3-4 ans que je n'ai pas touché un Wix, donc je ne sais pas si aujourd'hui ils ont évolué. Mais ce que je constate, c'est que en général, parce que donc mon mari est prof de danse, et en général, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, tu sais, il a appelé à droite à gauche par des associations pour faire des stages de danse le week-end, etc. Voilà, animé. Souvent, les assos, bah, ils font un Wix. Et j'ai pas forcément une bonne image parce que souvent, c'est pas très joli. Ouais. Donc, en fait, je pense que peut-être utiliser correctement, ça peut être sympa, mais moi, de ce que j'en ai vu, à chaque fois, c'est ultra débutant, quoi. Donc, non, c'est vraiment pas terrible. J'ai l'impression, d'après les retours que j'ai entendus, vus, etc., ça reste quand même assez limité. Et le gros bémol, apparemment, c'est aussi qu'on peut pas exporter les données. Donc, si un jour vous voulez déménager avec votre site, bah, c'est pas possible. Faut tout refaire. Ouais. Petit copier-coller. Ouais. Enfin, gros copier-coller. Ouais. Donc, alors que Jimdo, qui est dans le même esprit, apparemment, oui, vous pouvez exporter, transférer votre nom de domaine, etc. Alors que Wix, c'est pas possible. En plus, Wix, on va parler un petit peu plus technique, mais toi, tu connais, référencement, c'est zéro, hein, Wix. Hein, c'est très, très mal référencé. Donc, ce qui veut dire que dans les pages de Google, dans vos pages de recherche, vous n'allez pas y apparaître dans les premières. Hein. Ça, c'est pas possible.
Pas avec un Ouais. Wix, non. Et puis le problème de Wix aussi, c'est le temps de chargement des pages. Ouais, c'est très long Il y a apparemment. une certaine lenteur, mais une certaine Ouais. latence en fait, quand tu changes de page ou le menu s'affiche lentement. Enfin, ouais, non, moi je j'accroche pas. C'est ça, j'ai vu qu'au niveau hébergement, c'était pas ça. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai entendu, donc il y a quelques jours, le vlog de Caro from Woodland et que j'étais très très heureuse. C'est pour ça que j'en parle vite fait, d'entendre qu'elle s'est résolue à aller. Alors, je sais plus où est-ce qu'elle est allée, par contre, j'ai Chez manqué. Shopify. Voilà, elle est allée chez Shopify, donc c'est une autre solution. Et je suis très très heureuse d'entendre qu'elle a, entre guillemets, écouter son hébergeur. Je vais pas non plus lui faire la morale parce que je suis pas là pour ça. Mais oui, elle a bien fait de changer parce qu'avec WordPress, quand on a des grosses boutiques comme elle, alors grosses pas dans le sens beaucoup de produits, mais qui génèrent beaucoup beaucoup de flux d'un coup, bah ça pose des soucis. Donc effectivement, s'il y a des créatrices qui nous écoutent et qui ont des ventes plus ou moins privées comme ça, 4 fois par an, quand vous avez énormément de flux comme elle, elle a eu, je crois qu'elle a eu à peu près 4 000 connexions d'un coup. Sachez que WordPress ne supportera pas parce que vous avez votre hébergement mutualisé. Donc vous êtes en colocation avec d'autres sites. Donc on ne vous permet pas de rentrer, d'amener plein de gens chez vous. En gros, pour schématiser, c'est ça. Quand vous êtes mutualisé, vous ne pouvez pas faire une teuf chez vous avec 200 personnes. Et moi, je ricane parce qu'on vient de se taper Mr. President qui nous dit ce soir, on est le 14 octobre, C'est qui ça. nous dit pas plus de 6 personnes. Pas de petites personnes. Bref. Donc voilà, je suis très contente pour Caro from Woodland qu'elle se soit raisonnée et qu'elle soit chez Shopify parce que voilà, elle a plus qu'à rediriger maintenant son WordPress vers Shopify pour voilà, pour garder un petit peu ouvert Ouais. si elle veut transformer son WordPress notamment Pour la en partie blog. Oui, voilà, parce que c'est quand même essentiel. C'est pas terrible de ne pas ça c'est un autre conseil aussi. De fermer son site et de le mettre en maintenance. Parce que toujours pareil, pour le référencement, c'est pas terrible. Il vaut mieux avoir des produits hors stock et que les gens soient frustrés, tant pis, plutôt qu'ouvrir 4 fois par an un site. Parce que Google, il n'a pas le temps de faire son boulot, en fait. Donc après, quand on a une renommée, j'ai envie de dire, des fois, on n'a pas forcément besoin de se faire connaître. Mais ça reste important quand même de jouer le jeu de Google, à savoir, vous avez une boutique, vous mettez vos produits hors stock. Ou alors vous le transformez en blog ou en vitrine, hein, c'est-à-dire voilà, avec des galeries de photos, etc., de vos œuvres, de ce que vous faites. Mais il faut éviter de le mettre en maintenance régulièrement, c'est pas très très bon. C'est clair. Donc mettre en maintenance, ça veut dire que si, par exemple, moi j'ai podcastfemin.fr, si demain, enfin si aujourd'hui Google connaît, je sais pas, je veux dire, allez, je dois avoir 60 pages. Ouais. Si Google connaît 60 pages de mon site, donc il les a indexées, donc il les a pris en compte une par Voilà. une, il les connaît, il sait les ressortir si les gens cherchent C'est podcast ça. Femin, podcast créatif, podcast, Voilà. etc. Google les a indexés aujourd'hui, enfin depuis quelques mois. Si trop régulièrement je passe de 60 pages à 0 page Ouais. et que Google repasse sur mon site et qu'il voit qu'en fait ben, il ne peut plus naviguer de lien en lien parce qu'il n'y a Non. plus sur podcastfemin.fr, ben, il y aura site en maintenance, revenez Voilà. dans X temps. Donc si on passe de 60 à 0, ben, nécessairement Vous mon. allez punir. Voilà, Google, il va me dire bah, ton Toi, site, tu il descends. n'existe plus. Voilà, ton site Oui. n'existe plus, ma cocotte. Donc, Il s'intéressera pas et surtout, il reviendra pas aussi souvent. Parce que si vous lui faites le coup 2, 3 fois, il va se dire, attends, elle est toujours en maintenance. Bon, bah maintenant, pour que je te remette en haut, tu vas galérer, cocotte. Hein. C'est un peu ça. Il reviendra moins souvent. voilà, parce qu'il économise en fait. Oui. Le parcours de lien en lien pour découvrir les nouvelles pages web, ça s'appelle le crawl. Et comme la nage, C'est ça. le verbe crawler d'ailleurs. En français, et donc il va parcourir comme ça, et donc il économise en fait son crawl, parce qu'évidemment il n'y a pas que votre site web à aller vérifier les nouvelles pages, les nouveaux Des millions contenus, pas. etc. Très bien. Alors donc du coup par contre on rentrera pas trop dans les détails de Non. Shopify, parce que perso je Pas de connais peine. pas le... Moi non plus, je sais que je connais une certaine créatrices qui sont sur Shopify, mais c'est vrai que j'ai pas non plus. J'ai essayé, on essaye un petit peu de se spécialiser sur quelque chose. Moi, je suis plus WordPress
Et voilà, un petit peu aussi Magento, mais ça c'est plus pour les pros, grosses boutiques, donc à l'agence. Mais Shopify m'a l'air d'être une bonne solution, en tout cas dans ce que j'ai vu, dans ce que je suis allée lire. Ça mérite le coup d'œil, je pense, hein, vraiment. Ouais, donc là on est sur une formule aussi tout compris avec un abonnement. Voilà, donc on paye tous les mois. Dans la partie, je suis en train de regarder en même temps, la partie tarif, c'est à partir de 29 dollars, pardon, par mois. Ouais. L'avantage de ces comme plateformes comme ça, comme Shopify ou comme Squarespace, l'avantage, c'est qu'en plus de créer une boutique avec un nom de domaine dédié, votre propre adresse, etc., bon, il y a aussi des designs, des templates que vous pouvez personnaliser quand même un petit peu. Il y a des professionnels surtout. C'est-à-dire qu'en cas, j'en ai parlé cette semaine dans un de mes posts, je crois, bah même ce matin, en cas de piratage ou de problème ou de bug, vous n'êtes pas tout seul. Contrairement à WordPress où vous allez être obligé de faire appel à quelqu'un comme moi pour du microservice ou tout ça, quand on n'y connaît rien, entre guillemets, c'est aussi bien de savoir qu'en cas de pépin, on est accompagné. Et ça, je pense qu'au début, pour démarrer, même quand on n'a pas le temps, hein, quand on a des grosses boutiques comme ça, comme Caro, faut pas hésiter. Moi, je préférerais payer 29 € par mois pour être tranquille, honnêtement. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il faut vraiment que pour le choix de votre solution e-commerce, il faut vraiment bon, bien se renseigner, mais oui, surtout vous écouter aussi, quoi, être au clair avec vos c'est besoins ça. Et dire ah, ben non, moi je refuse de m'en occuper. Je ne veux pas mettre un doigt dans de la technique, ouais, entre guillemets. Et donc, du coup, on choisira plutôt une solution avec abonnement type Shopify, PrestaShop, je ne sais pas trop si on peut le mettre là-dedans. Il doit y avoir un PrestaShop un peu packagé. Ouais, plus. C'est un petit peu comme WordPress, pardon. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, plutôt Shopify, Squarespace. Ouais, Squarespace, tout ça. Et puis Oxatis, hein. Oxatis, ça fonctionne aussi. Et puis si on a envie d'aller vraiment de s'approprier sa boutique e-commerce, soit parce que on veut vraiment comment dire, mettre les mains dans le cambouis entre guillemets, parce que ça nous intéresse, on est curieux, etc. Et parce que c'est quand même abordable, hein. Enfin, y a plein de gens qui le font, etc. Hein. Il faut il ne faut pas y aller n'importe comment comme ça, but en blanc, en se disant hop, je me lance dedans et je verrai bien. Non. Il y a des tutos en ligne gratuits, il y a des millions de tutos sur Internet en français en plus pour celles qui galèrent un petit peu. Donc, on peut tout à fait se former tout seul sur WordPress si on est un minimum intéressé. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et le prendre à la légère et se dire « Ouais, je vais faire mon site toute seule, ça va bien rouler. » Non, il faut vraiment sur WordPress vous dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il faut se renseigner, il faut bien lire des tutos, faut être disponible et à même de s'auto-former aussi. Parce que si on n'est pas prêt et qu'on n'a pas le temps pour ça, autant prendre une solution en ligne toute simple et se décharger. Ouais, si on a pas le temps. Ouais. Et si on veut pouvoir faire le site qu'on veut, un peu sur mesure, bien le tuner comme on veut, le faire vraiment à sa sauce, voilà, mais qu'on n'a pas envie d'y passer nos jours et nos nuits, là, on peut aussi se faire accompagner par quelqu'un comme toi. Voilà, par soit un freelance, soit par une agence. Voilà, il faut savoir aussi, parce que ça fait souvent peur, les tarifs, il faut savoir qu'on fait des solutions de paiement, hein, on ne vous met pas le couteau sur la gorge, donc on s'arrange, il n'y a pas de souci. Et moi, comme je dis à mes clients, si vous ne payez pas, moi, je vous suspends le site, hein, ce n'est pas un problème. Hein, donc, il n'y a pas de souci, on discute, on s'arrange, on sait que c'est des investissements. Et voilà, il existe des échéanciers aussi, hein, on ne demande pas cash comme ça. Il y a toujours un acompte parce que forcément, on ne travaille pas gratuit non plus. Mais voilà, on est à l'écoute, bien évidemment, les créatrices comme des plus grosses entreprises. Eh bien, parfait. C'est nickel. Et j'imagine que tes deux activités se nourrissent parce que quand tu parles à une créatrice, à une entrepreneuse, nécessairement, tu, comme tu es toi-même dans cette position-là aussi… Bah, tu sais exactement quelles sont les problématiques. Ouais, quelles
Tout à fait. Ouais, c'est vrai que du coup, comme j'ai les deux côtés, c'est pratique parce que, alors, quand je vois des nouveaux plugins ou que je vois des nouvelles fonctionnalités, bah, je teste d'abord sur le mien. Mon site, du coup, est devenu un cobaye arborescence parce que quand je vois des nouveaux trucs pour optimiser, pour gagner du temps, pour, par exemple, là, j'ai installé un WooCommerce Stock Manager pour pouvoir gérer les quantités, que ça aille plus vite, etc. Je teste d'abord sur le mien pour voir s'il n'y a pas trop de bugs, si ça se passe bien, si on ne nous a pas vendu du rêve. Donc, c'est pratique, ouais, d'avoir les deux côtés. Ça marche. Et Ouais. donc, tu continueras comme ça pendant les prochains mois, les prochaines années, à avoir les deux en parallèle, si En effet. possible sans salariat, au sein Si de l'agence possible. pour laquelle tu bosses. Ouais. Oui, ouais. J'ai vraiment envie. Voilà, je pense que je crois que j'ai trop travaillé dans le commerce, trop les Ouais. week-ends, tout le temps, etc. Et que ma vie actuelle de 3 jours ici et 3 jours là me convient parfaitement. Je peux enfin avoir des loisirs et des week-ends, chose que je n'ai pas eu pendant très longtemps, pendant 17 ans. Donc oui, non, j'ai pas l'intention de lâcher ça. Ça, c'est sûr que je ferai tout ce qu'il faut pour garder ma liberté, entre guillemets, parce que le freelance, c'est un peu ça aussi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'arrives à pas travailler le week-end? Alors moi, je te dirais oui, mon mari te dira non. Je fais les produits, mais si tu veux, quand ton métier, c'est comme toi avec tes podcasts, t'as pas l'impression de travailler, c'est un loisir. C'est clair. Ouais. Mais j'arrive quand même, oui, si, si. J'arrive à me dire, à déconnecter. J'arrive même, là, depuis qu'on a déconfiné, j'arrive le week-end à mettre mon téléphone en sourdine carrément, je mets même plus le vibreur. Et à dire non, je réponds pas, je fais plus rien, laissez-moi tranquille, je suis pas là. Oubliez-moi, parce que vraiment, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça prend beaucoup, ça prend une grosse part aussi. Et j'arrive quand même des week-ends à déconnecter, mais même complet. C'est vrai que ça me fait vraiment du bien. Ça marche. Et alors là, en plus, t'es en train de... Enfin, tu parles des réseaux sociaux et je pense aux stories d'hier où tu nous as emmenés dans À ton loin. grossiste pour préparer Noël. J'en ai trop fait, il y en avait des kilomètres, j'ai dû perdre tous les gens. Ben, disons que, voilà, mi-octobre, tu dis bon... J'adore Noël. évidemment, c'est encore un peu tôt, mais évidemment, il faut Oui. préparer ça. Ouais, C'est ouais. aussi le challenge quand on est créatrice, c'est de d'anticiper et d'être toujours en avance de phase, quoi. Ouais. Et encore, c'est hyper tard parce que d'habitude, quand j'étais fleuriste, quand on. Donc, Feuilles Azur, chez qui je vais encore depuis 20 ans, je les connais depuis belle lurette. Avant, quand on revenait de vacances au mois d'août, il y avait déjà les décos de Noël. Donc là, cette année, c'était un petit peu plus tard. Il y a eu le confinement, il y a eu plein plein de choses, il y a eu les mariages qu'il n'y a pas eu, etc. Donc ils ont mis les décos un petit peu plus tard. Mais effectivement, même moi, je trouve ça tôt. Moi, j'essaye de traîner un petit peu, mais voilà, je prépare quand même en amont parce qu'il y a beaucoup de préparation, etc. Il faut les mettre en ligne. Il y a le délai ensuite pour les clientes, qui j'espère ne va pas être supérieur à 10 jours pour les attentes. Et puis, il y a beaucoup de gens qui en ont un petit peu marre et qui ont envie de passer à autre chose, j'ai l'impression. Mais j'ai vu déjà beaucoup de comptes de créatrices sur Instagram qui ont mis leur collection de Noël en ligne. Moi, je trouve ça très tôt, mais après, bon, voilà, chacun fait comme il veut. Ouais. Mais j'avais envie de mettre des paillettes dans votre vie un peu hier. Ah Donc, puis j'étais tellement frustrée. J'y suis allée, je crois, il y a 15 jours, ils n'avaient rien installé. je me Donc, souviens. ouais, en plus, c'est à 20 km de chez moi. Donc, je veux dire, c'est pas à côté, il faut que je traverse tout Lyon. Donc quand j'y vais, voilà, j'y vais pas toutes les 5 minutes non plus. Et voilà quoi, quand je suis là-bas, c'est Alibaba, tout le monde me dit, oh, mais c'est où? C'est formidable. À chaque fois, j'ai des tonnes de réponses de gens qui me disent c'est trop beau quoi. Ouais, Ouais. mais c'est l'équivalent d'un métro pour les restaurateurs, donc c'est un C'est immense. grossiste où Ouais. le particulier Non. n'est pas admis. C'est uniquement professionnel, Ouais. en sachant que celui-ci est ouvert à tous les professionnels, ce qui n'est pas le cas des autres, où je vais plus parce que j'en ai plus forcément l'utilité, mais les autres grossistes où j'allais quand j'étais fleuriste, c'était uniquement réservé aux fleuristes. Là, celui-ci, si on est restaurateur ou boulanger ou coiffeur, on peut aussi acheter sa déco, parce qu'ils vendent pas que du matériel de fleuriste. Ils vendent Ouais. des cache-pots, ils vendent des accessoires. Il y a des lumières là pour l'extérieur pour Noël. Il y a des vases. Enfin, il y a des tonnes de choses quoi. Là, je vous ai montré même pas la moitié. C'est infernal là-bas. Et alors toi, tu vas faire quoi dans ta collection de Noël? Parce que
il y a moins d'événements, j'imagine. Tu n'as plus de baptême, tu n'as plus de mariage, tu n'as plus ça. Ouais, c'est le calme plat, là. Honnêtement, depuis 15 jours, c'est très, très calme. Donc, du coup, j'essaye aussi de miser sur Noël. Pour réduire les délais, il y aura peu de personnalisation. Je vais avoir que les hôtes. Comme j'ai fait l'année dernière, donc avec un nouveau petit produit design, je peux t'en parler à toi parce que ça ne sera pas diffusé tout de suite, donc les produits seront en ligne quand tu le diffuseras. Il y aura donc des hôtes pour les enfants avec les animaux de la forêt que j'ai préparé l'année dernière, mais cette année, il y a une petite souris qui les rejoint. Et puis, alors je ne suis pas illustratrice, donc moi, j'achète mes visuels et je les modifie pour qu'ils soient... je fais des montages en fait, hein. Je les modifie pas niveau couleur, etc. Mais en gros, je fais des photomontages, c'est un peu ça, d'éléments, de décors, pour que au final la création soit unique. Donc on peut retrouver effectivement certains animaux de mes collections sur des tissus notamment. Chez Petit Cœur, elle a des tissus qui correspondent à ce que je fais moi en papeterie parce que c'est le même illustrateur, enfin, c'est une illustratrice même. Et voilà, donc cette année, ça sera Noël un petit peu mystique, voilà. Pour les enfants, c'est Noël avec les animaux de la forêt comme d'habitude. Et pour les plus grands, pour les adultes, ça sera plus Noël, oui, un petit peu mystique vintage, tu vois, un peu russe. Tu sais, comme l'illustratrice Olga, je ne sais plus son nom. Et elle a vraiment un univers russe qui est très très beau, un peu voilà, un peu vintage, bohème, effacé, tu vois, vieilli. Et j'aime beaucoup. Donc ça sera voilà, ça sera une collection un peu vintage bohème. Ok, et donc des éléments de déco plutôt pour la table de Noël et la déco de Noël. Ouais, des marque-place, des mini bouquets. Il y aura des étiquettes pour les papiers cadeaux, bien évidemment. Et comme cette année, je fais maintenant mon papier ensemencé. Et oui. Voilà. Donc encore une fois, j'allie le métier de fleuriste parce que je fais attention aux graines, etc., que je sélectionne. Il faut pas qu'elles soient trop grosses parce que sinon ça passe pas à l'impression. Enfin, il y a plein de choses. Puis je regarde aussi la période de semence parce qu'on peut pas semer n'importe quand. Il y a des variétés qui se mélangent pas, donc voilà, c'est plus compliqué qu'on croit. Et puis ça me permet en fait de recycler toutes mes chutes parce que comme je fais des étiquettes, honnêtement, je jette beaucoup de papier. Donc tout ce papier-là maintenant est réutilisé dans le papier ensemencé et c'est très très long niveau fabrication, donc c'est vrai que c'est pas donné, mais il y aura aussi des cartes ensemencées pour Noël dans plusieurs modèles disponibles, plusieurs designs. Génial. Alors je trouve le process super, et ouais, notamment pour les chutes de papier, et comme moi je fais des cartes, évidemment je vois bien le souci. Ouais. Alors moi j'en jette pas beaucoup, mais par contre du coup j'ai un stock de petits morceaux assez dingue, mais que je crois toujours que je vais utiliser, c'est comme dans le tissu. C'est ça. Mais bon, bref. Mais tu vois, comme moi je fais des cartes, je me dis la carte ou le, alors c'est peut-être moins vrai dans tout ce qui est étiquette, effectivement, que tu gardes pas nécessairement, mais une carte sur papier ensemencé. J'ai un peu plus de mal parce que je me dis, la carte, le plaisir aussi, c'est de la ranger dans une petite boîte et puis de la ressortir après. Mais c'est ce qu'on m'a dit parce que je vais avoir un revendeur, là, une petite boutique qui est pas très loin de chez moi et qui va m'en prendre là, pour Noël, et qui m'a dit, oh, mais quelle idée de les planter, les pauvres, on a envie de les garder dans une boîte. C'est comme vous voulez. Mais voilà, il y a des gens qui... Je pense qu'il y a les deux écoles. Il y a des gens qui aiment planter et d'autres qui aimeront conserver. Donc, ce que je vais proposer aussi plus tard, c'est de faire du papier main, mais non ensemencé pour les cartes. Il y aura les deux. Bon, peut-être pas pour Noël, mais c'est un projet pour plus tard, effectivement. Déjà, pour les mariages, tu sais, je fais le petite carte ensemencée pour le thème brindille. Depuis peu, les mariés qui m'en commandent, je leur fais un format A5, donc un petit peu plus grand pour qu'elles puissent le garder, parce qu'elles vont offrir toutes les mini-cartes à leurs invités, mais après, elles n'ont plus rien, elles. Donc, je leur fais une impression aussi sur papier fait main classique, sans graines. D'accord. Comme ça, elles gardent un petit cadeau dans leur colis, ça leur fait toujours plaisir en plus, donc un petit truc en plus, elles ne sont pas prévenues. Ok, génial. Et pour le coup, il y a d'autres personnes qui pensent pas comme moi. Le coup de ma sœur, elle dit, parce que donc forcément je fais des cartes et je lui en envoie, enfin je lui en donne tout ça. Puis elle me dit, oui, mais après j'en fais quoi de ta carte? Elle me l'a dit mieux que ça, hein. Mais c'était un peu, voilà, c'est bon. Elle a 10 ans de moins que moi, donc on n'a peut-être pas la même approche. Il y a des gens qui sont moins matérialistes, moins conservateurs. Voilà. Ouais.
Elle a peut-être pas la même approche de la correspondance que ça. moi, et donc du coup, elle limite une fois qu'elle l'a affichée sur son frigo et qu'on en a marre de la Voilà. voir, Ouais. bah ça l'a fait chier cette carte en fait. Elle se dit mais j'en fais quoi? C'est ça. Donc voilà, il y a vraiment les deux cas quoi. Oui, et puis pour la fête des mères, ça marche bien parce que du coup, on envoie un bouquet de fleurs par la poste. Et alors bon, c'est très contradictoire avec mon métier de fleuriste d'avant, hein, mais voilà, l'avantage c'était que pendant le confinement, on pouvait envoyer des fleurs à sa maman pour la fête des mères. Et ça, c'était bien sympa, quoi, d'avoir un petit bouquet à planter ensuite. C'était Ouais. sympa, ouais. Parce que les fleurs, elles vont pousser au bout de combien de temps? Donc j'imagine tu les mets dans la terre, tu les arroses, tu Ça. leur parles, tout ça. Alors, faut les mettre déjà, le papier, il faut le mettre 24 heures dans l'eau. Pour faire D'accord. germer les graines, en fait, pour qu'elle se scarifie. En fait, elle enlève la première coque, en règle générale. Et puis, le papier, tu sais, la cellulose qui est autour, qui englobe un petit peu la graine qui l'emprisonne. Donc, il faut laisser le papier 24 heures dans un verre, un saladier, quelque chose. Et ensuite, il faut la mettre dans un pot ou en pleine terre avec 2 cm dessus et attendre que ça pousse. Alors, il faut bien arroser tous les jours et il faut planter uniquement de mai à octobre. Donc, période. D'accord. Printanière où il fait beau et en extérieur parce qu'en intérieur c'est pas l'idéal. D'accord. Ok, dans sa petite jardinière, et puis ça pousse, ça fait des jolies Voilà, et puis fleurs. c'est ludique pour les enfants. Et du coup, j'ai regardé aussi à avoir des plantes mellifères qui puissent amener des petites abeilles parce que moi j'aime bien ça. On a une grande terrasse et j'aime bien les abeilles, mon chat aussi, mais qu'elles soient mellifères. Et puis là, je regarde pour les plantes tinctoriales aussi. Parce que j'aime beaucoup les tissus qui sont faits à base d'avocats ou de choses comme ça, des teintures végétales. Donc voilà, j'essaye aussi de contenter. Je me dis qu'il y a peut-être des gens que ça va intéresser d'avoir d'autres plantes que des simples annuelles, des coquelicots, c'est joli, hein, mais voilà, des choses qui changent. Eh ben c'est génial. Tu m'as donné une autre image du papier ensemencé, c'est très C'est bien. vrai. Ouais. Je Bah t'ai convaincue. oui, parce que moi, comme je suis très papier et que j'ai envie de le Ouais. garder, mon papier, j'étais moins dans cette idée Ouais. de le planter. Ouais. Eh Mais on fait du papier cadeau aussi, hein. Ça, c'est ben hyper voilà, ça c'est parfait. Alors, Ouais. moi, je fais des pochons Ouais. maintenant. Alors, j'ai pas passé l'étape du furoshiki. Ouais. J'espère que je le dis dans le bon sens. Il me semble. Ouais. Je crois. Donc j'ai pas passé cette étape-là parce que mon tissu je l'aime Oui. et je veux pas le laisser en cadeau. C'est le mien. Alors je rigole évidemment parce que quand je fais quelque chose, la plupart du temps c'est pour l'offrir Oui. et donc le tissu après je l'ai plus. Mais j'ai un peu du mal avec l'idée de dire tu emballes ton cadeau dans un tissu que t'adores, Ouais. etc. Mais bon, après il y a aussi des tissus que j'aime plus et dont je pourrais me servir pour faire ça, Ouais. mais Ouais. Puis c'est recyclable aussi, on peut en faire quelque chose après, quoi. Après, il faut savoir à qui l'offrir. oui, c'est ça, parce que si Voilà. elle dit ah ouais, Ouais, si tu ne l'offres pas, tu as eu beaucoup d'illustratrices ou d'aquarellistes qui font de la couture, ça n'est pas mon cas. donc tu feras pas grand-chose de mon coupon de. Je ferai des serviettes à la limite pour manger, mais des serviettes de table, mais c'est tout. Catastrophe. D'autant qu'en plus, c'est un peu comme pour les mouchoirs, enfin on Ouais. s'égare, mais les mouchoirs et tout ce qui est torchon et tout, c'est pas du tout adapté pour faire ce genre d'utilisation, quoi. Tu vois, voilà, les tissus pour les mouchoirs, les torchons, c'est Oui. pas le coton simple. Pour l'habillement ou oui ou déco quoi, joli. Ouais, tout à fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, super. Eh ben, écoute, j'espère que c'était bien clair, tout ce sujet e-commerce. J'étais en train de me dire qu'habituellement, tu sais, j'aime bien sur les thématiques avec les experts et les expertes même, recueillir les questions avant. Donc Oui. finalement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas du tout anticipé. Ben, j'ai essayé, hein, mais ça n'a pas été très réactif de mon côté. Donc, je me suis dit, bon, ben, elles n'ont pas de questions. On verra. Donc Mathilde, si on a des questions, si les créatrices ont des questions, j'imagine qu'elles peuvent te faire un petit coucou sur Instagram pour Tout à fait. Oui. Tu sais, c'est toujours gratuit, je ne mords pas. La preuve, tu as répondu Merci. voilà, avec toutes les connaissances que tu avais sur le sujet de l'e-commerce, quelle que soit finalement la plateforme, etc. Donc en toute transparence. C'est ça. Si c'est pas très clair, n'hésitez pas à nous le dire aussi parce que ce qui est une évidence pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Ça, c'est ce que je dis toujours. Donc, il n'y a pas de question bête.
Ouais. Et chacun son métier et c'est pas grave si vous savez pas ce que c'est qu'un hébergement, qu'un nom de domaine. Ouais. Les personnes qui vont vous accompagner, elles sont là pour vous les expliquer Voilà. toutes ces choses-là. Faire appel à un professionnel aussi, on est là pour ça. Ouais, exactement. Alors pour conclure, Mathilde, de quoi tu es la plus fière? Ton podcast aujourd'hui sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, Morgane. Ouais. Et je me suis dit, j'espère qu'elle ne va pas me la poser. Ah bah si, attends. De quoi je suis la plus fière? Ben, moi, je suis la plus fière surtout de. C'est pas orgueilleux, hein. C'est pas présomptueux non plus, mais d'en être arrivée là. Parce qu'honnêtement, une reconversion, je pense que celles qui ont le même âge que moi pourront le dire. Je suis pas vieille, hein, mais. Voilà, je suis une quadra, et puis c'est tout. Une reconversion à plus de 30 ans, à 35 ans, et quand on a un métier si différent, voilà, de là où je viens, c'est très, très compliqué. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches. On est toujours peu entouré, comme on dit, les amis, on les compte sur les doigts de la main. Bah, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en moi, et aujourd'hui, ben. Je veux pas être vulgaire, mais j'ai envie de leur dire merde. Voilà, je suis là, j'en suis arrivée là, et c'est pas grâce à vous. Donc, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, et je suis très très fière de ce que j'ai fait. Pas forcément que toute seule, hein. J'ai été accompagnée de mon mari et de mes amis, mais voilà, je suis fière de moi et de là où j'en suis parce que je suis tenace et je suis arrivée à me reconvertir. Ça a été très très long, mais voilà, je suis heureuse de ce que je fais aujourd'hui et de mes deux activités. C'est ma plus grande fierté. Eh ben c'est Faire ce que j'aime. parfait. Ouais. Ouais. Tu aurais un conseil? C'est ça, c'est t'écouter, faire ce que t'aimes. Ah, c'est ce que je dis toujours. En fait, il faut pas regarder derrière. Faut lever les yeux pour. Je crois que c'est pas un mantra, mais tu vois ce que je veux dire. Faut garder les yeux loin devant pour regarder l'avenir et voir ce qui se passe pour voir que la vie elle est belle et pas se retourner. On vient tous de chemins différents, d'expériences différentes. Faut pas regretter notre passé. Faut pas se dire j'aurais fait autrement. Il faut avancer et y croire. Et quand on y croit, on peut faire tout ce qu'on veut, honnêtement. Eh ben parfait, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Mathilde. Alors on te retrouve sur Insta, sur tes deux comptes évidemment, donc Voilà. Arborescence Création sur Voilà. Insta. L'URL de ton site, arborescencecréation.fr. Voilà. Pour ton activité freelance web, c'est donc BE Designed, ED à la fin. Voilà. Et j'imagine que tu as un site aussi, que j'ai pas Voilà. été regarder. Et qui Oui. s'appelle. Design.fr. Et voilà. Et bah parfait, très bien. Voilà. Merci beaucoup pour tous tes Merci conseils. à toi, Mélanie. Et puis à très vite. J'étais ravie. Merci. Me revoici. J'espère que cet épisode aura été instructif et suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à Mathilde ou à moi. Pour retrouver Mathilde, c'est soit sur le compte Arborescence Création, soit sur le compte Bee Design sur Instagram, ou évidemment sur ses propres sites web. Et de mon côté, pour poursuivre l'échange et découvrir les coulisses du podcast, rejoignez-moi sur Insta sur le compte Podcast Fait Main. Et vous savez, on s'approche tout doucement du 50e épisode. Oui, c'est c'est fou, c'est fou. Évidemment, je veux marquer le coup, donc si vous avez une idée à me soumettre pour cet épisode, faites-moi signe. D'ici là, comme d'habitude, si vous voulez me mettre une petite note et un mot doux sur votre appli de podcast préférée ou sur ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir. Je les lis tous, bien entendu, et je fais même une petite danse de la joie intérieure à chaque fois. Allez, on se retrouve vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous d'ici là, à bientôt.